Et donc, comme prévu. Ah bah, bonjour, deux personnes sur le stream. Attends, ça baisse. Salut Sangoku. Et Yastei. Et du coup, comme prévu, on va tabasser du dragon. Oula, la fenêtre du jeu qui s'ouvre en mon. C'est quoi ce démon? Ah, c'est bon, en plein écran, ça va. Tout va bien, tout va bien. Tac, tac, tac. Tu vas chercher du dragon? Ouais, du dragon albinos même. La souris, tu dégages. Merci bien. C'est pas dit que tu le trouves. Eh ouais, c'est bon, j'y ai réfléchi au truc d'hier. Finalement, je vois qu'un seul chemin. Et le jeu est un peu pute pour ça, mais il était pas trop pute quand même. Donc ça va. Je vais peut-être me mettre en visible sur Twitch, moi. Ça pourrait être pas mal. Parce que tu vois, Sangoku, t'étais pas là hier, mais on est arrivé jusqu'à la vallée del cristal. Enfin, le trou d'Orsif, en fait. Ah, je suis level 61 quand même. C'est pas trop mal. Voilà. Du coup, on va sprinter. Oh putain, c'est vrai que du coup, je vais devoir me retaper. Attends, je suis moche ou pas? Ouais, je suis moche. Donc, redevenir humain. Et on va embraser. Je sais pas si on va embraser ceux-là. Je sais même pas s'il y en a un. Dans le doute. Au pire, la téléportation existe. Donc, ça va. Ah, 10 petites fioles d'Estus. Allez, go. Ouais, donc hier, Sangoku, t'as loupé le fait que je suis mort plusieurs fois. Qu'on a tabassé Orstein et Smoog. Bon, que je me suis fait aussi tabasser en partie à cause d'eux. Attends, j'ai tout. Ah oui, du coup, j'en souviens aussi. Qu'on a récupéré le Carlis. Non, il y a personne ici, ouais. Parce que ici, j'en souviens, j'ai chopé les clés, je crois. Dans un des coffres. Une des grandes clés pour délivrer Logan. Mais Logan, je crois que. Finalement, je m'en fous. Parce qu'il me traite de petit con et en plus, la magie. Voilà quoi. Et y'a. Oh putain! Saloperie! Allez, on s'y remet. On s'y remet. Ouais, du coup. On a aussi galéré dans les grandes archives. Comme tu peux voir, le compteur de mort a augmenté de façon pas mal. Ah bah, il s'est cassé. Donc, fin du résumé. Ouais, donc. Pour la suite de là où j'étais coincé. La tête, tête. J'ai peut-être une idée. Parce que en fait je vois qu'un seul chemin, donc je n'ai qu'une seule idée. Je ne vois qu'un seul endroit. On se casse. Merde, le papillon est toujours énervé, non? Ah non, c'est bon, il s'est raccroché à sa branche. Ça va. Cette saloperie n'est plus énervée. Le papy hibou. Le papy hibou. Je me demande ce qu'il donne si on les tue. Alors, c'est reparti. Oh putain, je n'aime pas ça. Ok, il y a un chemin par ici. De toute façon, là, si on meurt, on perd que 2000 âmes. Donc, on va dire que c'est pas la catastrophe non plus. Donc voilà le chemin, le papicorne. Non, c'est pas un papicorne, c'est un papibou. C'est un papillon avec une tête d'hibou. Ouais, donc, ici, c'est la loose et tout, il n'y a pas de truc et tout qui tombe. Par contre, au loin, voilà, c'est ça que j'avais vu hier, au loin, il y avait la poussière d'étoiles de diamants, de sel, qui apparaissait sur la petite plate, à côté de la petite plateforme, là. Donc pour le coup, le chemin, c'est sûrement ça. Parce que tu te casses pas la gueule directement, en fait. Ouais, tu glisses. Ah mais attends. Attends, hier je me cassais la gueule. C'est quoi cette sorcellerie? Pourquoi hier je me cassais la gueule et pas maintenant? Je comprendrai jamais ce jeu là. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Putain, petite poule. Wouh.
Ouais, ouais. Il n'y a pas une deuxième? Putain, j'ai buté qu'un seul lézard. Bon, par contre, du coup, j'arrive à un point où il y a deux chemins possibles. Attends, il y a une des cryptos ici. Chute à proximité. Ouais, donc on va peut-être pas avancer par ici. Tant de doute. Putain, merde, l'autre il a disparu. Est-ce qu'il y a un passage au moins par ici? Apparemment, ouais. J'ai un doute. Je parle de la poussière de sel, s'il vous plaît, devant. Ah, ah, il y a un passage. J'aime pas ça. Putain, attends, je dois aller où? Putain, je dois aller où? Attends, c'est ça. Ah bah. Coucou Nema qui est juste devant moi en vrai. C'est pas le chemin principal ça. J'aime pas ça. Ok, donc c'est pas le chemin principal et c'est un chemin fourbe. Une grande braise magique, mais ça je m'en fous, ça la grande braise. Ouais, donc on va peut-être passer par ici. Au moins j'ai trouvé la suite du jeu, c'est bien. C'est rigolo car elle te voit réagir. Mais en fait elle a pas trop réagi là de... Genre je suis mort mais elle s'en bat un peu les couilles je crois. Ah, elle est trop concentrée, je crois qu'elle a joué aux Sims. Ou alors du Overwatch. Là elle a de la chance par rapport aux autres, ouais j'avoue. Et en plus, je l'entends même écrire, hein, c'est ça qui est chouette. Par contre, faut que j'arrête de tenter de regarder le chat parce que je vais me faire buter par des golems. Non, non, je ne joue pas. Grave. Ouais. Bonjour monsieur, je ne fais que passer. Donc du coup, l'autre chemin, c'était celui qu'il fallait. Attention, en plus son clavier fait beaucoup de bruit donc je l'entends taper et Suspense, qu'est-ce qu'elle va marquer? Ça c'est à moi. Tac. En plus avec le là je peux lui répondre avant même que vous l'entendiez. Et ouais, elle a le pass premium, c'est pour ça. Je l'entends taper aussi, sérieux? Oulala, tu t'entends aussi taper dans... Oh putain. Mais arrête avec ton clavier. Arrête avec ton clavier alors. Stop it woman. Là ça passe. Un petit peu de poussière de sel s'il vous plaît. J'aime pas ça. Attends, y'a un gros. C'est moi, y'a un virage, non? Par ici. Putain, j'aime pas ça. J'ai envie de dire que c'est trop. Les meilleurs. Mais trop, wesh! Ouais, ça passe tout droit. C'est bon, ça passe! J'espère qu'il y aura plus d'autres chemins invisibles. Et je m'en fous des 2000 âmes que j'ai laissées de côté. Hein. Ça, c'est. Oula! Bijoule? Vous êtes quoi? Vous aussi vous venez de loin comme les golems? Oh putain, oh putain. Ah, y a une palourde qui dort. C'est des petites palourdes, des petites, non des grosses palourdes. Ah gros gros. Ah comment je tabasse ça moi? Bon, en tout cas ils aiment pas le feu j'ai l'impression. Brûle! Brûle! Esquive! Enfin, plutôt pareil!
Et une palourde à moins. Ça se referme pas. Hein. Ah, il a des têtes de mort. Oh, c'est trop mignon. Il a des têtes de mort dans son. Dans son gosier. C'est un Pokémon de type eau. C'est des sous-marques de Crustabri. Vous venez les copains ou pas? Oh putain, il y en a une sur le côté. Alors. On va peut-être essayer d'aggro celle sur le côté. Bon, j'en ai la palourde. Putain, elles sont 4! C'est Sif qu'on va au fond là qui brille. Enfin, c'est Sif. C'est Si, c'est Sit. Aggro, aggro! Non, mais pousse pas vers tes copines! Me pousse pas vers tes copines, saloperie. Tiens, vas-y. Contemple le cadavre de ton ami mort. Ah, bah, ils aiment pas le feu en tout cas. Hein. Pour les Pokémon de type O, c'est assez pitoyable. Attention. Brûle, 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 brûle. Oh, la tête. Sérieux, c'est quoi ce spot? C'est passif, c'est site qu'on dit. Je sais, mais j'ai du mal, j'ai toujours du mal avec les noms. Quelqu'un vient ou pas? Bonjour. Ah, Bigir. Bigir, Bigir. Donc du coup, un live prévu jusqu'à 19h. Tu viens ce soir, Stay, ou pas, en fait? Pierre de purge, sérieux? Ah, tiens, pas au bar? Bah, attends, du coup, ouais, faudra que j'envoie un message à ma Miss Rodidou pour qu'elle me précise ce qu'on fait ce soir, parce que si on se retrouve à deux à bouffer au bar, non merci. Ça me coûtera moins d'argent. Parce que monsieur est prêt de ses sous. Oh, elle essaie de me manger. Oulala là là. Brûle, 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 brûle. J'ai dit brûle. Bah du coup c'est combien on sera ce soir ou pas Stay? Parce que vu qu'il y a Payrock et tout qui est pas là, il y aura peut-être Sasuke XXX du 90. Pfiou. Poupou 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 poupou. Putain. Putain de palourde. Mais elle recule en plus, ça l'ouvrit. Elle approche. Brûle. Toi, Rodidou, peut-être Toutou. Et peut-être Centric. Elle bosse pas Centric normalement? Là. Est-ce que t'es mort? Ah, c'est bon, là t'es morte. Peut-être même tu vas être plus au courant que moi. Ouais, mais non, connaissant la bait, elle voudra pas. Hein, Nema, est-ce que tu veux sortir ce soir? Ah non, il y a son casque, elle m'entend pas du tout. Aïe! Oh, la saloperie! Oh, l'espèce de saloperie! Brûle, 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 brûle! Je suppose que ces conneries, ça fait partie des expériences de Sif. D'ailleurs, attends, du coup, attends, j'essaie de voir un truc. Sur la tétanette scintillante, ça se trouve, c'est. La tétanette scintillante. Pour gagner du humanité, c'est vrai que j'aurais peut-être dû utiliser ça pour buffer des feux, moi. Attends, oui, de l'arme de Smoog, hein. Gardien de la cathédrale oubliée d'Alando. Celle de bourreau étonnamment joyeux vous permettant de gagner une pléthore d'amants de ce bourreau joyeux.
Ah, maintenant on a le golem de fer, on gagne la forteresse de Seine, ok, nombre de héros en quête d'un landau de vie mort prématurée. Bon, je pense pas qu'on trouvera quelque chose d'intéressant sur ces bestioles là. Bon. Ouais. Bah, y a pas de feu et j'ai pas l'impression qu'il y, y a un raccourci qui soit disponible. Là, il y a une bestiole qui était là, mais Smoog est cannibale, je sais. Bah, du coup, il bouffe via son marteau. Enfin, d'après ce que j'ai compris, hein. Bon bah. Ah putain, c'est vrai que je suis plus humaine. Pas de fumée et tout, j'aime pas trop ça. Dans le doute, ouais, on va prendre ça au cas où. Bon allez, c'est parti pour se faire sif. C'est quoi ce truc là? Est-ce que faut le péter? Oula! Je crois qu'il veut pas qu'on soit là. Le dragon pillon. Un papy dragon. Ah! Je suppose que ça on doit le péter. Apparemment, ouais. Apparemment il a pas aimé. Est-ce qu'il y a d'autres à péter dans le coin? Oh, oh. Il a une queue, c'est un dragon. Non, non, non. Ok. Ah d'accord. Une mort en plus, j'ai même pas tenu une minute face à ce boss. Two shot via sa queue. Ok, le jeu il est comme ça. Le jeu il s'en bat les couilles. J'ai pas un truc pour renforcer un peu ma... Putain. Putain, il m'a two shot ce con. LOL, you dead. TG. Putain, il m'a tout shot quoi. Alors je vais juste lui couper la queue. En toute amitié évidemment, mais mais putain quoi, il m'a tout shot. Et en plus je dois me retaper tout le chemin. Et je dois me retaper toutes les palourdes. Je demande si on peut les esquiver les palourdes par contre. Chose qui pourrait être intéressante. Genre foncer dans le tas et tout, faire boing 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 et et yop la boum. Bonjour monsieur, excusez-moi, je ne fais que passer. Oup, 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 oup. Putain, mais la poule y avait en deux attaques quoi. Saloperie de dragon albinos. Alors, les chemming, le chemming, chemming. Bon, ça, c'est easy. Je suppose que c'est quasiment une ligne droite en fait, finalement, le truc là de tout à l'heure. Non, 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 non. Putain, mais la réponse était sous mes yeux depuis le début. Ouais, on part du principe que c'est tout droit. J'aime pas trop ça, j'aime pas trop ce genre de principe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ok, c'est vraiment tout droit en fait, tant mieux. Parce que je serais bien tenté de foncer dans le tas là pour essayer de récupérer mon âme. Sauf que bah du coup, il y a une espèce de saloperie. Alors je sais pas si elle par contre elle passe à travers les Ouais, dans le doute on va en tuer quelques-unes. Puis la dernière on verra si on peut la passer. Mer, 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 mer. Ah, par contre, recule pas, saloperie, recule pas. Brûle, 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 brûle. J'aime bien comme elles aiment pas le feu. Ah. Brûle, 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 brûle.
Putain, j'ai cru qu'elle allait me bouffer, ce saloperie. Salut. Ah, salut Dark Sasuke 77 du 90. Alors, toi. Brûle. Brûle, j'ai dit. Existe ce Darky. Non mais oh, brûle. Ah voilà, va mourir cordialement. Des bisous. Du coup, je suppose que toi, tu seras la soir. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait venir? Ah. Elle va mourir, des bisous. Brûle. En fait, là j'attends devant chez la guet. Sérieux? Elle termine pas à 16h une coin dans le genre, elle? Bonjour. Est-ce qu'un d'entre vous pourrait venir, s'il vous plaît? Ah. Ah, faudrait tellement que j'augmente la puissance de mon épée, quoi. Ah, bah attendez, je peux téléporter chez le forgeron maintenant. Ah, gros. Brûle. Ah, putain, je grésille encore, fais chier. Attends, je termine cette bestiole-là et j'arrête de grésiller. Alors. Elle est en retard. Attends, si elle termine à 16. Attends, t'as déjà prévenu qu'elle est en retard ou elle termine à 16h? Saloperie. Est-ce que c'est mieux au niveau du son là? Parce que j'ai tourné un petit peu et. Attends, c'est le silence. Et est-ce que c'est mieux là? Ah, ça grésille encore un peu. Toujours pas Madame Neba. Il faut vraiment que je change de casque, quoi. C'est bon là, ça ou pas? Hein. Casque de merde. Suspense. C'est encore pire. Là, c'est bon là? Ou pas? Maintenant, c'est la neige de. Ah là, attends, ok, d'accord. Donc là, normalement, d'après. Oh putain! Ah, ok, c'est... attends. Je bouge pas, on attend 10 secondes et on va savoir si tout va bien. C'est suspense. Ça grésille à nouveau ou pas? Est-ce que Monsieur Stay, est-ce que vous confirmez? Tout va bien, c'est bon. Va mourir en poule. Quoi? Fonce, ok, d'accord. Elle dit que je pouvais mourir, c'est bon. Tout va bien. Par contre, c'est vrai que là, il fait chier un peu le dragon là, de me tout shot et tout. Il se fait pas confiance en fait. Bah si, mais bon. Mieux vaut avoir une confirmation qu'une seule. Ah, ça y est, écrit. Alors, pétage de cul en rigueur, enfonce. J'aime pas trop là où je suis.
Oh, il y a un cristal. C'est compliqué. Surtout que quand même dit, là c'est bon, là c'est plus bon, là c'est bon, là c'est plus bon, effectivement. C'est... Ah, tu te passes au milieu ou pas? On s'en va les couilles, bon. Alors, est-ce que je peux vous attaquer la queue, monsieur? Oula. Attention. Mais laisse-moi te choper la queue. Oui, voilà. De toute façon, non, je sais même pas si ça vaut le coup de lui choper la queue parce que c'est un mec magique. Donc l'arme sera magique, non? Aïe. Ah d'accord, c'est comme ça. Et en plus, il fait des malédictions. Je comprends mieux la pierre de puge, la pierre de puge. Ah oui. L'arme sera complètement magique. D'accord, ok. Donc l'arme sera complètement pas adaptée à moi. Brûle, brûle. On casse, on se casse. Non, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Bon, on a déjà fait enlever des PV. Oh putain, oh ça lag, ouh ça rame, ouh ça rame, c'est dégueulasse. Par contre, le jour du jour va baisser un peu parce que du coup, j'entends me péter les oreilles. Il est au centre du truc. Ça passe pas. Ça me bouffe la vie. Putain quoi, j'ai déjà la moitié de mes fautes d'astuces. Ça passe. Ouais, ça passe. On se casse. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Monsieur, vous êtes au fada, hein. Ça, il va s'énerver, faire un gros gros. Ah, c'est bon, là, il passe. Alors, brûle. On se casse. Oh, il a pété un coup. Oh putain. Yo Rodidou. Du coup, vu que t'es ici. Ouais, y'a pas de cristaux normalement qui sont censé. Ah si. Il vient d'éjaculer. Vas-y, fais ton agro gros. Fais ton agro gros méchant. Merde, il a fait trop tard. Ah. Bon, on l'a enlevé à moitié de ses PV. C'est plutôt bon signe, non? Bitch 2. Tiens, brûle. Je suis trop greedy. Je suis trop greedy ou pas? Le dragon invisible, ouais, bah il est plus trop invisible là pour le coup, hein. Oh putain. C'est le taxi, il est aveugle. Ah. Non, la queue. Ouais bah ça empêche pas de me toucher avec sa queue, hein. Sans être dégueulasse. Bon, essayez de l'écorcher. Ah, il est comme stylé, hein, comme dragon. Hein. Bon, son bar ressemble à rien, mais. Attention, il se concentre. Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir lui faire donner à ce. Eh merde, j'aurais pu attaquer. Voilà, ça a changé au fait qu'il repère quand même dans l'arène. Je trouve ça un peu cheaté, hein, franchement. Ce jeu manque de réalisme.
go, go, go. Non, 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 non. Nique-toi le jeu, nique-toi le jeu, nique-toi le jeu, nique-toi le jeu. Le mec il te touchote avec sa queue quand même, hein. Alors que là, avec ses sorts, c'est pas censé être lui le papa de la magie par hasard. Brûle, brûle. Regarde Stay, c'est ton papa, le papa de la magie. Fais-lui un bisou à ton papa. Quand tu es censé, t'as envie de lui couper. Vous êtes dégueulasse, monsieur. Et il fait un gros gros. Ok, la prochaine fois, il meurt. Au beating. Monsieur, vous êtes dégueulasse, hein. Franchement, c'est du braconnage, ça j'appelle. Hein. Couper les queues des dragons pour choper des armes. Vas-y, fais ton gros gros. Fais ton gros. Il fait son gros. Non! Il fait son gros. J'ai tué? J'ai tué? Ouf! J'ai tué! Je crois que 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 j'ai tué! On recule, on recule, on recule. Vaincre style l'écorché. Et c'est après avoir tenté de lui couper la queue qu'on s'est dit qu'en fait le tuer c'était tout simplement plus rapide. Et du coup. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai une putain de dragon qui peut me stopper. Ah bah putain. En fait, il est pas si dur que ça, hein. C'est juste couper sa queue qui est super relou. Hein. Un petit peu de niveau. T'as pas de dextérité. On va faire plus l'endurance que dextérité. Ah ouais, je pensais que j'aurais plus galéré contre ce mec là. Bon, du coup. Allumer le feu. Ouais, le feu est allumé. Bah l'atteindre encore ça peut aller, hein. Parce que celui qui fait son attaque circulaire, on va dire ça comme ça, pour que du coup je fonce et vais piou 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 sa gueule. Par contre du coup on va rendre visite à notre. Non pas embrasé, téléportation. À notre petit André the Forgeron. Alors c'est pas ici, c'est pas là. Je parierai là-dessus. Ah oui, la cave, oui. Bon, effectivement, mais après, la cave, une fois que t'as compris le truc, c'est limite du tout droit. Donc ça va. Mais faut comprendre le truc. Ah! Notre petit Andrea. Comme on se retrouve, mon petit. Quelle braise! Je paye une braise, moi. Attends, j'ai chopé une braise, moi. C'est quoi? C'est là-dedans. Renforce arme dragon. Je pense que tu vas vouloir aller voir le géant. Le géant André, si ça va pas. Je pense que tu vas vouloir aller voir le géant si André ça va pas. Ah, ok, d'accord. Bah si c'est lui qui peut m'améliorer l'arme de Quelag, ça me va, hein. Par contre du coup là je vérifie tout ce que j'ai comme conneries. Ah, braise de cristal, braise de... Mais c'est de la merde. Ah du coup. Ah. Alors petit instant lore, allons-y. Âme de Sith l'écorché, le dragon albinos, fragment de l'âme d'un seigneur découvert à l'aube de l'âge du feu. Sith fit alliance avec le seigneur Gwen et trahit le dragon, ce qui lui valut le titre de duc, ainsi qu'un éclat de cette âme supérieure. Il ne s'agit que d'un fragment, mais il peut alimenter le calice royal. Bah ouais, du coup, je vais aller le géant, parce que... Mais ça fait chier, parce que le géant, il est beaucoup moins accessible. Téléportation. Alors, chambre d'un princesse, non. Fille de chaos, non. Profondeur, non. Hôtel solaire, non plus. Bah du coup, c'est à Norlondo, mais ça... Mais j'aurais tout un chemin à me taper. D'après la légende, cet homme renferme l'âme de l'œil maléfique. Une créature que je n'ai pas le temps de lire. Bah au final ça me merde. Je tape limite le même de... Ah non, c'est vrai qu'il y a un ascenseur. I have forgotten the ascenseur. Doing. Bon du coup, redidou, tant que t'es là. C'est quoi le programme prévu ce soir?
Est-ce qu'on mange au bar des moines ou pas? Ça c'est une question d'ordre. Ah attendez, un petit coup de Mamzen Nichon. You speak English very well. Very well. Ah voilà, ça c'est exprès pour Nema. Si elle regarde le stream, elle va apprécier. Je tape la pause, je tape la pause. En plus avec la musique. Avec la musique auréolée, genre oh mon dieu, c'est sacré. Putain, le suspense du programme. Ah là, je vois Nema réagir, mais alors déjà on va sucrer les appels à ces petits cons de jeunes. En même temps, tout le monde apprécie les boobs. Ouais, mais pas sûr que tout le monde apprécie de dire ça de manière officielle. Alors, messieurs, dames, je vais foncer. Putain, mais il s'en bat les couilles. Alors, du coup, je vais passer par ici. Mais putain, mais laissez-moi passer, bande de cons. Non. Laissez-moi passer. J'avais ouvert ici ou pas? Ouais, j'ai ouvert. Bonjour monsieur, monsieur le géant. Oh putain. Alors toi, espèce de saloperie. Ah bah tombe. Vas-y, c'est bien, tombe. Bah 500 âmes, j'ai de quoi me nourrir donc putain, oui. Brûle, brûle. C'est bon. Ensuite, alors, on va se créer des appels. Ouais, ensuite ce soir, dès que t'as fini ton stream, on va au bistrot des moines et on mangeouille et on boivouille là-bas pour 20h. Par contre. Ouais, ok. Donc, du coup, je ne mange pas ici. Très bien, c'est ce que je voulais savoir. Un petit cul sec. Voilà, alors quoi. Ça brille. Ça brille. Donne-moi ça. Ça fait de belles âmes. Oui, mais t'inquiète pas, j'ai des âmes en stock que j'ai pas encore bouffé. Bah tiens, tenez, voici une braise. Shiny, shiny. Shiny, shiny. Ah du coup, attends, j'ai chopé une arme, non? Faut que je suis enchanté. Faut le chion. Est-ce que j'améliore aussi cette connerie? Alors 5000, par contre, c'est la titane de démon, et la titane de démon, j'ai ce qu'il faut, je crois. Attends. Attends, c'était 6 titanes de démon. À chaque fois, je sais pas si j'ai 6 ou si c'est... Ah non, j'ai 6, c'est bon, ok. Bon, on va consommer des trucs. Nam, 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 nam. Bon, déjà, ça en fait deux en plus. Déjà. Ouais, mais du coup, c'est pas mal si je peux changer entre dégâts magiques et dégâts de feu. Parce que ça se trouve, du côté des démons, tout ça, de la sorcière Isalith, tout ça, et ben... je crois que les dégâts de feu, ils vont dire merde, hein. Donc si je peux avoir un truc pour taper plus fort... Oui, ça fait des dégâts magiques, mais c'est pas forcément basé sur l'intelligence, si. Qu'est-ce que je faisais? Ah oui, renforcer arme. Plus de dégâts... Ouais, j'ai bien fait de pas en bouffer plus parce que... Attends, du coup, attends, toi, modifier affichage. Ah si, c'est quand même pas mal basé sur l'intel, ouais, effectivement. Donc je pourrais faire des dégâts magiques en plus, mais ce sera pas forcément bien. Attends, modifier équipement. Âme de Gwendoline. Âme de Manus, bon ça c'est pas du tout mon truc. Ah ça je peux faire revenir en arrière, ok ça c'est pour juste désenchanter les conneries quoi. Je suppose qu'il faut renforcer une arme au maximum. Pour pouvoir en profiter. Toi, dans, je crois que vous êtes des grosses armes de bâtard, ça. Vous êtes bien lourd. Parce que enfin, si je me base entièrement sur cette épée-là et tout, au bout d'un moment, je vais pas forcément faire de dégâts face à un truc qui résiste au feu, quoi. Donc c'est pour ça que j'aurais bien aimé faire un truc dans ce genre-là, mais bon. Parce que je suppose que les dégâts électriques, c'est basé sur sur la foi. Le feu, c'est basé sur rien du tout. Ouais, bon.
tellement de conneries que... Ouais, du coup, on va rester sur l'épée de Quelaeg. De Madame Quelaeg. Bon. Non, mais qu'est-ce que je fais? On boit un petit coup. Et on retourne casser les culs. Il y avait un méchant ici. Par contre, niveau cassage de cul, je viens de tuer un dragon. Ah, attendez, au niveau de l'André le géant, je savais qu'il y avait un passage dans une forêt et tout. Peut-être aller là-dedans. Ça pourrait peut-être être sympathique. Esquive! Qu'est-ce qu'il va faire? Qui peut me stopper? Ah, la salle, on en a au chier, quoi. Avec la team double peinée. C'est bon, il y a un truc qui a fait pop ici. Ok, non, toi. Et nia! Et nia! Ninja! Par contre, ouais, c'était une petite question. Il y a un ordre spécifique ou pas pour les âmes des seigneurs? Parce que je vais pas avoir un trop haut level, enfin je vais pas faire des dégâts de fou après pour tous les autres persos. Enfin pour les autres méchants. Alors du coup ouais, c'était paroisse de mort vivant. Il y a un truc qui peut être sympathique. Non, il y a pas d'ordre, ok. Ah, un petit peu d'eau. Mais donc du coup je vais pas faire trop de dégâts aux autres méchants pour le coup. Vu que je pense que je vais payer de level entre temps. Bonjour! Tu veux faire les 4 rois avant de faire sonner la cloche, c'est vrai? Ça passe! Brûle! Brûle! Ah, comment? La vengeance du Tiffy, c'est terrible! Oh là, l'esquive! L'esquive du Tiffy, c'est terrible aussi! Tiens, vengeance dans ta... Oh, la petite aide. Oh, bah c'est cool ça! Ah, j'aurais peut-être aller faire. Peut-être tabasser Quelaeg et sa famille, parce que du coup, de la petite aide de démon, ça pourrait être pas mal ça! Enfin, Quelaeg et sa famille, plutôt le reste de la famille de Quelaeg. Parce que je suis un petit peu passé, j'aurais un petit peu payé le cul. Ça, c'est un. Alors, bijour. C'est normal, le faible bitrate. Comment ça, le faible bitrate? Attendez, du coup, je reviens un peu en arrière. Je crois que je vais mourir si je fais ça. Bon, tant pis. Hein. C'est les aléas du direct. Bah, je suis à 2500. Hein. Je suis à 2500 bits, donc... Ah, putain. Dégage, la souris de merde. Y'avait pas quelqu'un à la base? Ah si, je me disais aussi. Vous êtes un méchant? What? One shot? Ok. Ah, le truc de sang là, je suppose que c'est pour le saignement. Jardin de noire souche. Je l'ai pas one shot la bestiole là? Oh. Il y a des méchants. T'es dans une zone où le feu c'est bien. Bah je m'en doute parce que le feu ça brûle. Oh putain. Et surtout que je one shot les petites bestioles quoi. Alors je sais pas s'ils sont censés être durs à la base mais oh là putain, mais je suis con, j'ai failli tomber dans le trou. J'ai pas du tout attention, je disais le chat. Bonjour. Par contre je vois pas grand chose. Je l'ai one shot. Et tu as buff ton arme. Ouais mais pas seulement. Je l'ai one shot carrément quoi. C'est même pas je fais beaucoup de dégâts. Là c'est j'ai one shot. Je leur dis niquez vous. Par contre ouais, les méchants ils se trouvent grande âme de guerrier. Par contre je vois pas du tout c'est bien le bitrate ou pas quelque chose là-bas. Bonjour. Verrouillé par un genre de mécanisme. Ok, toi. Putain,
Putain, j'aime pas ça. Je vois rien. C'est... Oula. J'ai entendu du bruit. C'était un piège. It's a trap. Ok, niquez-vous. Aïe. Oh, les saloperies, ils ont une portée. Double one shot, qu'est-ce que tu vas faire mon gars? Putain, c'est sympathique dans le coin, hein. Tu ramasses plein de trucs. Tu ramasses des champignons et tout, c'est de la classe. Par contre, j'ai pas mal d'astuces. Alors. Pas déjà un boss quand même, je viens d'arriver dans la zone. Ah, le marais. Donc ça bougeait bien ce saloperie, hein. Je pense que c'était... Attends, y a pas le cadavre d'un mec là-bas? Ouais, il aurait fallu pour bien Blade Tone. Sauf que... What is the fuck? C'est quoi cette ancienne... C'est aussi le one shot, ok, c'est cool. Sauf que Blade Tone, eh ben, c'était un peu plus facile niveau... Niveau, en fait, tout simplement. Je tapais plus. C'était un peu plus de mon level, quoi. C'est quoi cet arbre qui meurt? Non, et surtout c'est je voyais bouger. Ok, je voyais bouger, donc du coup dans le doute j'ai tapé pour rigoler. Mais et je pensais vraiment pas qu'il allait mourir en fait. Je crois que c'était juste le décor qui était comme ça quoi. Un siphon, fond. Putain, j'ai envie d'aller pisser. Je crois que j'ai une petite pause à une heure, enfin, dans une heure et demie, enfin plutôt dans une heure là. Y'a des méchants ou pas tant que j'y suis? Parce que là, je me sens... Oh la putain! Ok, donc c'est bien, c'était bien des cadavres de mecs, enfin c'était pas des cadavres. Ces mecs, les cadavres sont vivants, je répète. Les cadavres sont vivants. Y'a Crophile qui squatte ce soir. Ah! Oh, mais, monsieur, vous êtes énervé. Par contre, pouvez-vous dire à vos crapauds de compagnie d'arrêter de me harceler? Esquive. À nous deux maintenant. Ah mais t'as pas le feu. Attends, mais aucune idée. Mec, j'ai aucune idée où tu es. Bah moi non plus, tu sais quoi? J'ai un peu bloqué là monsieur. Je suis dans la forêt de Noirsouche, voilà. Ah ça c'est le cadavre que j'ai tué. Yo Drouminet. Pas de room. C'est pas des crapauds, c'est des gros champignons. Des champipots. Des crap... Ah, des crapignons. Voilà. Vous aussi, sur le stream de Tifis, inventez de nouvelles espèces. Comme tel le crapignon. Des chlamydia. C'est dégueulasse, ça, madame. Putain, c'est plutôt tranquille chez vous, hein. Franchement, le peu d'accueil que j'ai eu, je vais... Alors toi, ou alors toi. Putain, j'ai le bras qui me gratte. Ah, saloperie. Anneau du loup. Oh, c'est stylé ça. L'anneau du loup augmente la balance. Balance, 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 toi. La maîtrise de l'espadon d'Artorias était inégalée, de même que sa ténacité. Artorias, le marchabis. Bah attends, putain. Ah, bah je sais où tu es. Bah moi aussi, je suis dans une crevasse et je viens de mourir. Parce que je suis un boulet. Oh putain. Oh, je t'ai qu'une pute. Je t'ai qu'une pute. Je suis une pute. Ah, je sais où tu es, je sais où tu es. Je suis mort. Ok, c'est bon, y'a Droom qui se ramène, tout le monde se barre quoi. Pute, 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 petit cul, petit cul, petit cul, petit cul, petit cul. Pute saleté. Pute, 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 pute.
Évidemment, il repop pas, donc je peux pas farmer de la titanite de démon, hein. T'as le compteur de mort petit à petit, il monte, hein. Faut pas croire. Et la forêt de noire souche. Bonjour, monsieur. Mourir de décès. Merci bien. Bon, après, j'ai pas l... D'ailleurs, fais-le monter. T'es pas à 40 là? Si? Bah non, j'ai appuyé. Ah merde, putain! C'est vrai que j'ai pas lancé le petit truc. Le petit. Du coup, je dois monter de 2 parce que je suis mort aussi tout à l'heure, me semble-t-il. Oui, je suis mort tout à l'heure dans le vide. Bah non, je suis mort tout à l'heure face à Sif en fait. Compteur de mort. Voilà. Donc là, je suis à 41 là normalement. Attendez. 1 et 2. Normalement, il a 41 là. Et la souris est encore présente. Mais dégage. Stay, t'es un mauvais viewer. Tu fais pas attention, hein. Bon, qui c'est que je vais taper? C'est toi! En plus, ils ont pas de dégâts, mais en fait, cette zone n'est pas du tout de mon level. Cette zone, elle est pas du tout de mon level en fait. Popolo popopopo. Attends, c'est pas avec le. Enfin, non, du coup, je récupère mes âmes, même s'il y en a pas beaucoup. C'est ça, c'est toujours ça de gagner. Tu les bestioles. Il en reste pas une par hasard, hein, tant qu'on y est. Voilà, toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Bientôt 42? Oui! Joie. Bah, du coup, j'étais passé par là. Attends, il y a des crapauds. Bleh. Non. Non, mais toi, non, mais même, je prends quasiment pas de dégâts non plus. Donc, je sais que mon arme est super efficace. Tel un Pokémon feu contre des Pokémon plantes. D'ailleurs, c'est un peu ça. Mais même au niveau dégâts, j'en prends pas des masses non plus quoi. Attends, je pensais qu'il y avait plus de bestioles par ici. Alors, on revient par ici. On va tabasser l'espèce de golem. Le golem de plante, hein. Voilà, nique-toi. J'ai juste 600? Ah non, j'ai quand voilà, j'ai beaucoup plus que ça. J'aime quand les gens viennent et se cassent parce qu'ils sont chiés. C'est beau. Oula, bonjour monsieur. Raul, Raul, Raul. T'as l'impression que c'est hyper lourd et tout, mais une fois que c'est mort, tu bouges ça n'importe comment. C'est trop la classe. Popolo popopopo, on revient en arrière. Bonjour monsieur le crapaud. Blablabla. Et du coup, Rodidou, vous regardez à deux sur ton PC avec Normé, c'est ça? Bonjour monsieur. Grand bouclier de pierre, les crapignons. Putain, ils s'en battent les couilles, Ils ont une période d'invincibilité, ces saloperies quoi. Allez-y, viendez. Esquive. Oh, le non-respect, il casse. Attends, je vais virer du coup. On fait compte séparé. Par contre, vous êtes chiant à être deux là. Oula. Ah, il m'a ralenti cette fois. Oui, je vous permets pas, monsieur, de me ralentir comme ça. C'est le prix saucisse. Il était trop dark pour toi.
du chevalier d'élite. Nique la police! Bien, du coup, je suis quasiment jamais humain, donc je me fais quasiment jamais envahir. Ça, c'est chouette. Avant, j'étais bûcheron. Alors, toi. Le mec, oh, j'ai vraiment pas de bol! Y'a rien ici? Bon, on continue. Oula! Ah, putain, c'est un. Là, ils font. Ainsi font les petits monstres. Oh! Un petit boss? Comment ça, papillon? Oh! Le papibou! Non, non. Putain! Comment je fais pour le tuer? Comment je fais pour tuer ce saloperie? Mais viens ici! Mais il se fout de ma gueule! Mais non, je peux reculer, hein, c'est trop beau. Allez, viens! Non, je peux me barrer, ouais. Il me fait des feintes en plus, hein. Aïe! Cul sec! Oh, 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 oh! Alors, toi? Non, non! Fais pas le con! Fais pas le con! C'est sérieux? C'est sérieux? Ok, donc quand t'as vraiment la faiblesse du boss en question. Bah, il était fatigué, hein, faut croire, hein, c'est. Po, ouais, c'est exactement ça! Alors, un peu de lore. Un papillon. Alors. Âme du papillon quart de lune. Mystique, frayant dans le jardin de Noire Souche. Les êtres d'exception sont dotés d'âmes spéciales. Celle du papillon est une création de Sith l'écorché. Et auprès de toi de gagner une pléthore d'âmes ou de forger une arme unique. Non, tu vas mourir, t'inquiète. Ouais, mais ça je sais, mais. Boss nul sur 20, ouais, c'est. Mais là, je me sens un peu. Enfin. J'en ai tellement chié face au boss d'avant que là je me sens un peu arnaqué. Genre tu te protèges, tu te protèges, ensuite tu fais oh je vais faire une petite sieste sur le rebord et là zbleu zbleu zbleu. Tu le dis trois fois nique toi il meurt. D'ailleurs y'a toujours pas de feu en fait. Donc ça se trouve j'ai loupé. Clé de la braise divine. Oh. Oh! Qui a dit que Dark Souls c'était dur? Le. C'est vrai que du coup Dark. Ah! Y'a Stay qui s'est cassé? Parce que je vois plus que deux spectateurs. Enfin, trois spectateurs dont moi, donc du coup. Putain, là je sens U. Là, je suppose qu'il y a rien. Les armes divines, c'est cool. Ouais, mais du coup, je pense que c'est basé sur la foi, non? Salut Red Pony. Bah attends, hé, c'est un jeu qui est bien, donc on reste dessus. De hein. Toute façon, faut le finir, hein. Un jour ou l'autre, faudra le finir, donc dans tous les cas, autant que ça se fait maintenant. Trois fois nique-toi, il meurt. La légende raconte que si tu prononces trois fois nique-toi, il arrive derrière ton dos et il meurt.
Donc le coup du 3 fois devant un miroir, ça vient de Beetlejuice. Juice. Ah oui. Bon, sérieux, y a rien d'autre ici. C'est une zone totalement optionnelle, ce connerie. Ah non, j'y suis déjà. Attends, y a un truc à ramasser. Ah oui, un cadavre à fouiller, c'est tout. Ouais, du coup, moi la foi, c'est peut-être pas le truc le plus développé. Hein. Ah ouais, peut-être qu'il y a des mecs qui sont. Bah attends, du coup, Nito, vu que c'est censé être un cadavre, il doit être sensible. Fouillé par un genre de mécanisme. Mais ta mère. Nani. Le talent. Il y a un effet secondaire intéressant. Ah. Ok, du coup, je peux rien faire pour l'instant tant que j'ai pas quelque chose. Parce que j'ai un anneau, mais ça doit pas être ça. Ah, et du coup, j'ai un cadavre à fouiller. Ah, mais du coup, les armes divines, c'est peut-être André le forgeron. Attends, déjà, on va te fouiller. Ouais. Parce que du coup, j'ai pas d'autre chemin en fait. Le seul autre chemin que je vois, il y a une grosse porte avec un mécanisme intéressant. Point, 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 point. Il y en a qui sont chiés quand même en tant que cadavre. Il te drague, lui, il m'aguiche. Attends, du coup, il n'y a pas un chemin par-dessus ce muret par hasard? Apparemment non, et là... Bon, nique-toi. Ouais, je pense qu'il me fait la tête parce que je l'ai tué. Et à mon avis, il m'aguiche. Ouais, bah là, je suis... Fait chier cette zone, quoi. J'étais content et tout, et finalement, non. Bon, du coup, on va se faire la nouvelle onde d'eau, tiens. Ah bah attends, nouvelle onde d'eau, vu que c'est les darks, les ténèbres, tout ça. Il a fermé la fenêtre Twitch. Ah, le faible. Une braise de forgeron divin. Intéressé. Ah bah oui. Ouais. Alors du coup, est-ce qu'on tente de faire une arme divine? Attends, on va voir déjà ce qui pourrait être sympathique. T'inquiète, je reviens. Juste à côté. Bouge pas André, bouge pas. Tac tac tac, alors y'a un. Bah y'a un fauchon. Donc si un jour j'en ai besoin, ça pourrait être sympa, vu que c'est à la base calé sur l'intelligence quoi. Enfin sur la dextérité. Putain, c'est ultra faible, l'épée du gardien de peinture c'est ultra faible. Hein. Les rapières, non, les rapières je déteste ça. Le c'est noir c'est basé sur la force à la base. Ouais, je pense qu'on va baser sur un truc de l'intelligence à la base et on va prendre le. Falchion. Non mais. Voilà. Oh, j'ai passé vraiment d'Italie, mais tu toute ma gueule, allez. Renforce-moi cette arme-là, bougre d'andouille. Alors maintenant, il est passé dans modifier équipement. Ouais, donc c'est encore basé un petit peu sur la dextérité, mais effectivement, la foi, ça vous gagne. Ça fait des dégâts magiques, le divin? Vas-y, on va prendre le divin. Comme ça, après, on va rendre visite à Nito ou aux 4 rois. Vu que les 4 rois, je suppose qu'ils sont dans la nouvelle Londo. Par contre, il faut quoi? Une grande titanie... Ah! Ouais, donc le divin, je peux aller me faire foutre, je crois. On va penser à un mur, par exemple, là, par contre. Caption d'aventurier. Ouais, je pense qu'on va renforcer un petit peu notre armure. Acheter objet. Je porte quoi en ce moment, moi, en fait comme... Ah, je porte un truc tout dégueulasse comme vêtement, je crois.
Ouais, manteau de sorcier, gantelet de Baldur, bande en cuir noir. C'est quoi, c'est combien le truc d'aventurier? 3-5. Si je le porte, est-ce que c'est pire ou pas? Le mec dans la forteresse de sel. Ah ok. Oh, ça va être chiant si je dois me taper tout ça. Renforcer armure, oui. Ouais, évidemment, faut peut-être que je prenne un truc qui me concerne moi. Ah, c'est celui-là. Ça renforce pas beaucoup, mais je pense que ça peut quand même être pas mal. Grande titanite. Ouais, pour l'instant, on va rester comme ça. À tes soins, Emma. Au cas où vous l'aurez entendu dans le live, hein. Dites à tes soins, Emma. J'attends. Bon, du coup, direction Anorlando. Ah putain, j'aurais dû prendre le truc de la princesse. La glissade de la princesse. Téléportation. Ah, y a Stay qui dit à tes souhaits. Ouais, elle écoute pas, elle a remis son casque et tout. Elle est redevenue associable. Et c'est parti. Non, te casse pas sans moi. Flemme d'écrire. Dit-il en écrivant ceci. Quel humour, Red Poney, quel humour. Par contre, du coup, vous allez me casser les couilles. Son clavier parle pour elle. Salut grand fou. Laisse-moi passer par contre. Non mais. Et voilà. Salut, je me casse. Le raccourci du géant ou pas trop, j'en sais rien. C'est pas grave, c'est tout ce qu'on aime. Monsieur le géant, bonjour. Alors combien tu le vends ton truc? La grande titanite verte, 4000. Eh ben dis donc. Informatique plus 5. Ça du coup il faudra aussi la grande titanite. Ah merde, j'ai passé. J'ai passé pour un chez plus. On va bouffer des âmes, tiens. Alors bouffons des âmes, allez. Bah disons que en fait Smoog, je pourrais carrément bouffer son âme en fait, parce que au final elle me sert plus à grand chose. Parce que je pense que son âme faut l'appliquer sur un marteau et le marteau bah c'est pas trop ça hein. Goème de fer ça aussi. Papillon clair de nuit, je suppose que c'est pour bon allez tant pis. Ça pourrait peut-être en faire des réparer par équipement, acheter objet. Bon allez, on va rester là-dessus. Attends, bah, du coup on va profiter. Bonjour. Donne combien ça le prix? 500, merde. Salut. Attention. Et voilà. Un petit peu d'âme gratos. Tout. On se tape du chemin. L'arme de Smoog, tu comptes. Si tu comptes pas en faire une dalle, autant la consommer. Bah ouais. Parce que, quand même, quoi, c'est un truc. Attends, j'hésite à la garder quand même. Non, dans le doute, je vais quand même la garder. Parce que si je suis tenté de faire les succès après avec ce perso là. Et eh ben, je sais qu'il y a un succès avec toutes les armes, enfin les armes incroyables, les armes incommensurables, tout ça, donc du coup, autant garder ceci. Bonjour monsieur. Donc voilà, au pire, si j'ai vraiment besoin d'âmes,
Mais j'arrive à toucher. Faut pas toucher, hein. Oh putain, j'ai failli crever. J'ai failli crever de manière pitoyable. Ça aurait été naze. Parce que du coup, je sais que j'attendais sur ce jeu pour essayer de faire au moins tous les succès. J'ai bien dit au moins. Et vu que je sais qu'il y a un truc, c'est avoir toutes les armes rares et tout, bah... Autant que je garde l'arme de Smoke si je continue avec ce compte là, quoi. Parce que après, je fais l'arme de Orstein. Ah putain, mais Orstein, il est super difficile après. Oh. On verra de toute façon, hein. J'ai pas encore fini les jeux, donc... La paroisse des morts vivants. Ah bah ça, je sais, hein. Déjà dans le 3, c'était assez chiant, bah alors dans celui-là, j'imagine même pas. Sauf avoir toutes les magies, toutes les tous les miracles, toute la pyromancie. Alors dis coucou à tous les serments, donc ça j'ai un peu commencé. Alors modifier mon équipement, ça c'est quoi ça? Ah ça c'est pour avoir un truc plus 6, fauchon brut. Et fauchon divin. Alors, renforcer arme. Ah ok, fallait encore la grande titanie verte, fait chier, bon tant pis. Le but c'est que j'ai un truc au moins divin si je veux faire des dégâts supplémentaires. Capuchon d'aventurier. Voilà, je me suis un peu amélioré l'armure. Comme ça au moins j'ai de quoi tenir un petit peu plus longtemps ça se trouve. Alors, du coup, nouvelle lampe d'eau, y'a pas? Oh, y'a pas une nouvelle onde d'eau, bon du coup, sans toi de l'icheveu. Ah mais de toute façon j'ai pas tout à la nouvelle onde d'eau. Suis-je bait? Or sinon je m'attaque à Nito. Toujours là toi? Quand tu dis descendre, tu parles d'une nouvelle onde d'eau ou... Ah non, toi avec ça t'as quelque chose à dire, ouais non. C'est vrai que je t'aime pas parler. Allez, c'est parti pour se repéter le cul à la nouvelle londe d'eau. Avec la police. Et si on redescendait à Blighton, hein? Hein les enfants? Tu as de quoi mourir moins vite. Ouais! Ça se trouve, le peu que j'ai amélioré, ça servit à rien du tout. XP gratos. Bon, à 24 d'XP, ça vaut peut-être pas le coup. Par contre, au cas où, il tente de m'attaquer par derrière, c'est saloperie. Bonjour, messieurs. L'office du tourisme, s'il vous plaît. Où puis-je le trouver? L'otiprier, le grand pot. Ah non, je sais qu'il... Je crois qu'ici, il y a des... Il n'y a pas des mecs invincibles, ici? Mais t'es qui toi? Mais t'es pas un des mecs qui protégeait la... La vieille fille Mais t'es pas le... Attends. T'es pas le mec qui était en train de déprimer à l'icheveu par hasard? Alors c'est peut-être juste un mob lambda. Oh! Déjà en pot! Libérez-le, le pauvre homme. Oh putain, là, ça va être marrant, là. Là, je sais pas pourquoi, je sens pas du tout. J'aime pas trop ce... Alors, vous êtes pas faible, normalement. Ok, vous êtes pas du tout toiable. Ils ont une putain d'allonge, c'est con. Popopopopopopo. Putain, ils ont une grande allonge, ces enfoirés. En plus, ils me suivent. Non, mais lâchez-moi. Ne suivez pas. Oh putain. Non, 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 non. Putain.
pas pris. D'où? Non mais lâchez-moi. Lâchez. Oh, non. C'est bon, j'ai pris un raccourci. Cul sec. Lâchez-moi. Lâche-moi. Putain, je suis coincé. Je suis putain de coincé. Lâchez-moi. En effet, je meurs moins vite. Mais... Oh, j'ai réussi à le taper. Attends, une mort en plus déjà. Mais attends, est-ce que j'ai réussi à le taper pendant un moment? Parce qu'il y avait de la poussière verte sur un ennemi. Genre, il y a un petit truc vert sur du côté de l'ennemi, donc... Ah putain. Bon indice. Ah. Donc je peux les taper, mais seulement à certains moments. Ça fait chier ça sinon. Alors, fille du chaos, archive du duc, non c'était... Putain, c'est vrai que j'ai pas découvert de feu, je vais de retour. Pour taper un fond, il faut être maudit. Attends, maudit, le truc qui réduit de moitié de ta vie, non? Un truc dans le genre. Et j'étais maudit? J'étais pour maudit? Mais j'étais pas maudit, monsieur l'agent. De toute façon, j'ai que 2000 âmes, donc si j'y retourne pas, tant pis, mais... Nec. Et on attend. Tu as trois façons d'atteindre ton but. Soit mourir par des ennemis qui te maudissent. Genre les basiliques ou Sith, carrément. Soit être frappé par eux, ça se trouve. Ouais, par les crapauds dans la profondeur. Malédiction fugace, on dirait une blague. Malédiction fugace. Pokédex, qu'est-ce que c'est que ça? Le seul moyen d'affronter les fantômes maudits par nature et de devenir soi-même maudit. Si vous avez les tripes, mettez-toi les simples. Putain, un cadavre de l'un de ses membres. Bon. Eh ben. Tac. Bon, je sais pas combien de temps ça dure, sa connerie, donc. Alors. Malédiction fugace, tu sais, on dirait un... Ça ressemble pas du tout à un truc de modification. Combien de temps ça dure cette connerie? Putain, plus j'ai one shot. Ah bah il en donne, c'est cool, ça c'est cool ça. Go, en profiter à fond. Je suis maudit. Toi. Y'a rien d'autre? Ok, on continue. Go. On profite de notre malédiction. Bonjour monsieur. Ok, il essaie de me faire quelque chose, il a réussi en plus. Ah non, c'est lui. Salut tes fils, c'est Crawfil. Salut Stay, c'est Crawfil. Mais qu'est-ce que bouge pas ça, je vais essayer d'attendre. Bonjour monsieur. Vous êtes... Attends, il vient à l'infini ou pas ces conneries? Par contre, ouais, ils en loupent pas beaucoup leurs conneries. Hein. Ah. Oh non. C'est un mur invisible?
Ah non, c'était juste un mec qui passe. C'était juste un fantôme. Yocrophile, comment tout va? Du coup, tu manges avec nous ce soir aussi, Mister Crophile? Saloperie. Y'a un chemin par ici ou pas? Ouais, y'a un chemin. Autant profiter tant que je suis maudit. Mais c'était quoi ma... Ça va pas te crier comme ça? C'est bon, on va passer dans l'aube d'un moment. Oh putain, là, oh c'est fou, c'est un nuage de fumée qui t'empêche de voir. Ça, j'aime pas trop ça, mais bon, on y va quand même. Hein. Je suis pas là. Vous pouvez descendre s'il vous plaît, madame? J'ai 3 mots à vous dire. Ah, c'est bien. Vous allez réveiller les voisins! Tu descends ou pas? Bon, ok, descends pas du tout. T'en recules un peu. Voilà, c'est bien, madame. Non, Nema, je parle pas à toi. Nema, elle me juge. Du coup, je suppose qu'il y a d'autres saloperies en haut. Non, des saloperies en bas. On va essayer de les amener le plus proche possible. Qu'est-ce qu'ils foutent? Attends, on est de retour dans un labyrinthe, quoi. Putain. Bonjour, madame. Mais taisez-vous! Non mais, oh, non, c'est de la triche là! Aïe! Putain, mais ils attaquent. Oula, non! Non, non, je suis pas là, je suis pas là. Putain, mais ils arrivent de partout ces conneries, hein! Eh, viens, approche! C'est bon? C'est fini? J'ai envie d'aller pisser, tout da. Y'a des fantômes tout près. Douda, day, ils sont partout. Ils sont partout, ils sont dans nos campagnes. Ils sont dans nos murs. Oh putain. Ils sont dans nos campagnes, ils sont dans nos villes, ils sont dans nos smartphones, ils sont partout. Bon bah. Vous êtes beaucoup ou pas? Mais je suis protégé. Mais. Oh putain, je suis plus du tout. Oh, je suis plus du tout maudit. Malédiction, je ne suis plus maudit. Ah, désolé, je viens de taper dans le micro. Ça doit être pas agréable à entendre. On se casse, parce qu'il y en a un autre qui arrive par derrière, et si je me fais attraper par lui, il me pique mon cul. Putain, par contre, il y a du chemin par ici, hein. Oh, il y a des os. Ah. Madame, mais taisez-vous. Oh. Vaou. Psychique. Attendez, on la refait. Attends. Tadak, on monte. Ton petit cul. Mais elle est pas là, Nema, je crois. Oh. Bonjour, monsieur, vous êtes méchant? Non, vous êtes juste bizarre. Well, this is a surprise. I get few visitors. Bah coucou. Ah que coucou. J'ai le Cardes. Very impressive. Ah bah elle est là. I know exactly what your intentions are. Ah ouais? You seek the four kings whom I guard over. C'est possible. This
is the key to the seal. La clé du sceau. Bon, je viens de revenir, j'avoue. Repose dans la chambre les plus profondes des ruines. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the abyss. But the abyss is no place for ordinary. Ouais, donc les abysses, je sais que dans le 3, il te tue, il te meurt. The knight Artorias traversed the abyss. Attends, mais la clé qui vient de me passer, c'est un truc pour le point ou c'est un truc pour là où j'étais? The abyss may prove surmountable. On peut aller les quatre rois. Ça veut rien dire ce que t'as dit. Attends, ça c'est pour aller au niveau des quatre rois ou c'est pour aller là où j'étais là dans la forêt et tout avec le mécanisme étrange à base de sauts et de popopo. Bonjour. Je vais passer. Oh. Ah non, là. Non. Jeune PD, allez. J'avoue, là, c'est. On peut aller taper. Ça ressemblait un peu à du n'importe quoi ce que tu disais. Du coup, je viens. Non, je viens pas d'ici. Je viens du. Oh. Parce que je sais que les quatre rois, enfin, vu qu'ils sont dans les abysses, on peut pas les taper comme ça. Parce que les abysses, c'est du bouffe. Dans le 3, il y avait un boss qui était à moitié dans les abysses et déjà les abysses. Ah, les abysses, elles te faisaient mal, hein. Bon, ça, on dira peut-être après. Nope. Un peu d'humanité. Ça mange pas de pain. Lol. Putain, j'ai à peine entré dans une nouvelle londe d'eau que je rencontre déjà un mec qui me donne des trucs pour taper. Les bifles te bouffent. Point. Je tente un truc. Le truc était tenté. Crêpe bière. Oh les salauds. Attends, mais. Non, ne pas taper les PNJ. J'ai demandé si je pouvais taper le mec et tout, s'il était important pour plus tard, mais non. Déjà, ça va me spoil. Mais en plus, faut pas taper les PNJ dans Dark Souls. Si les mecs te frappent pas, en général, tu les tapes pas. Bon, moi, j'ai fait cette erreur-là contre le papy... Oula. L'espèce de papillon maudit de tes morts. Oh, la grande la titanite verte. Un truc pour le pain béni. Bon, du coup, il reste plus que l'échelle où on était tout à l'heure. Mais non, mais je sais que dans le 3, en général, faut pas le taper parce que. Oh putain, j'ai failli te casser la gueule. Donc, attends. Là, tu confirmes que celui-là, je peux le taper? C'est ça que tu viens de me dire? Je peux le taper lui et toute sa clique? Sauf qu'il vient de me passer une clé, donc théoriquement. Oui, je peux le taper en fait, parce que son boulot, c'est de surveiller les 4 rois. Donc, si je le tue et que je tue les 4 rois. Bah, si je suis 4 rois, il aura plus rien à faire de sa vie. Il aura perdu son emploi, son job, sa femme, ses gosses, tout ça. Donc, du coup, théoriquement, je vais le taper. Ok, merci, Stay. C'est ce qu'il me fallait. Je pensais qu'il tenait quelque chose quand même. Ça se trouve, je fais une grosse connerie. Ça se trouve, j'ai niqué le jeu. Là, c'était, il va me dire, mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Ah, par contre, je suis plus maudit, je crois. Et ça, c'est embêtant. Ouais, il dit tiens la clé il t'a donné et tu as pas encore tout visité en sortant en bas de l'église.
En bas de l'église. Bon, tant pis, je visite un peu ça d'abord avant. Même si c'est un peu la loose. Bonjour, messieurs. Oh putain. Ah non, hors de question que je fasse du parcours pour ramasser des trucs. Hein. Oula. Bonjour, monsieur. Madame, oui. J'aime pas ça. Je sens la couille dans le potage. Je sens l'espèce de fantôme pupute arriver. Mais j'ai vu un truc, je crois, de l'autre côté. Ah non. Non, mais dites pas que c'est rien. Putain. Ta mère, le jeu, quoi. Mais ça sert à rien d'arriver ici, à part tenter un tricks. Et ici, t'as quoi? Bah t'as rien du tout, mais merde. Putain, dès le début j'en chie parce que mes mecs sont invincibles et une fois que j'ai désinvincibilité. Est-ce que c'est ça que t'appelles l'église? Oh ouais, si, il y avait une madame qui gueulait. Madame plutôt impolie d'ailleurs, qui a réveillé les voisins. Ah, il est 32. Est-ce que je m'arrête là? Enfin, est-ce que je tape une petite pause pour l'instant? En sortant en bas de l'église. Ah! Bon, déjà faut que j'arrête de me paumer déjà. Ouais, faut que j'aille aller pisser. Donc, dès qu'on trouve un feu, on l'active. On bute les monstres qui viennent à nous au cas où. Et puis, je go pisser. Attends, si, mais attends, en bas de l'église, bah attends, j'y suis allé. Je fais tac, tac, bédé, 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 bédé. Là, je suis sorti, tac, tac, bijour, bijour. Là, je suis monté. Attends, en bas, j'y suis allé. Ah, de ce côté-là, non, j'y suis pas allé, je crois. En effet. En plus, t'as un petit ascenseur des familles. Les mécanismes ne bougent pas. Lol. Ah, clé du saut. Tirez la chasse. Ah. Tout un monde encore à visiter. C'est beau quand même. Putain. Non, j'ai libéré des dragons. C'est quoi ces conneries? Genre les dragons ils faisaient la sieste dans l'eau quoi. Un OKLM en haut de mon perchoir, je suis bien. Saloperie de jeu. Arc composite. Bon, du coup, on reste plus qu'à descendre. Hein. Alors, tac, 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 tac. Putain, par contre, c'est la mort du. Oula, c'est la mort du son là. Hein. Attends, j'entends des trucs dégueulasses. Ah, est-ce que ce serait pas ici le boss des 4 rois là? Ah, par contre, j'entends des gros trucs dégueulasses là. Nom 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 nom, bon appétit bien sûr. Putain. J'ai rien trouvé un endroit où me poser. J'attends, je vais peut-être revenir dans l'autre bâtiment parce que là, moi je suis sûr de pas me faire attaquer vu que j'ai des. Tu sais pas le mécanisme qui était bloqué à cause de l'eau? Le mécanisme qui était bloqué à cause de l'eau. C'était à cause de l'eau? Le mec il me dit pas tout. Enfin le jeu me dit pas tout. En général le mécanisme est actif c'est quand c'est coincé de l'autre côté en fait. Le con. C'est toi le dégueulasse. Eh oh, oh, oh. Dis donc.
Ouais, je sens que j'ai retrouvé la bouillabaisse qui... Non, pas ici. Je sens que j'ai retrouvé la bouillabaisse qu'il y avait dès le début, en fait. En fait, je sens qu'il me dit ça parce qu'il y a un gros truc qui va remonter. Je suis sûr que c'est ça. Stay, en fait, il dit pas, mais il aime bien me voir mourir. Enfin, même en plus, même s'il il me le dit en plus, mais... Et genre, le mécanisme est bloqué à cause de l'eau, quoi. Ok, du coup, on va s'arrêter là pour l'instant. Je vais faire une petite pause parce que j'ai vraiment besoin d'aller pisser. Donc je reviens à peu près dans, on va dire, aller à peu près... On regarde. 10h37, je reviens à 45. Allez, quand tu marches, j'aime bien le salaud. Donc du coup, je vous dis à dans 7 minutes avec un petit spasme des familles. C'est parti. Bon allez, à tout à l'heure. À 45, voilà, comme j'ai dit. Et re, donc petite transition, on retrouve Mrs. Spasme. Ah, c'est bon, elle guérit. Et c'est reparti. Donc il est 45. Peut-être mettre à jour la description du live par contre. Est-ce qu'il y a des spasmes et tout? Ouais, le sport, oh, putain, l'épilepsie. Attaque. Alors. Oh putain, l'épilepsie de merde. C'est parti. C'est parti. Est-ce que vous dégueulez? Est-ce que vous êtes mis à... Est-ce que vous êtes bien à l'aise pendant devant votre stream? C'est bon, j'ai arrêté. Calmez-vous, ça va reprendre. Et on reprend le petit coup d'ascenseur. Pour aller se faire péter le cul. Putain, mais c'est dégueulasse. Oh là là. C'est... Ah putain, c'est un sol de cadavre. Et non, Stay, je suis pas encore mort. Ah, il y a aussi les dragons. Eh, hey, mais ce serait-il pas la vallée des Drakes par hasard? Oh oh. Oui, qu'a-t-il? Les Ah, attends, comment il s'appelle? Comment il s'appelle ce mec? Les spectres noirs. Ceux-là dans le 3, ils étaient horribles, quoi. Du coup, on va voir si on peut se faire un dragon. Ah, en fait, moi, c'est sincère, j'ai jamais compris comment avec 3 chaînes ils peuvent être à l'horizontale. Des têtes de trucs. Ah. On va tenter un truc. Tu marches sur un type. Mais il a pas qu'à dormir là. Est-ce que j'ai fait une connerie en invoquant le grand dragon? Tu y es ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Attention, tu marches sur une tête de type. Il a pas qu'à dormir là non plus. Bon, le dragon il s'en bat les couilles, hein. J'ai pas envie de l'affronter au corps à corps en fait. Donc il a qu'à aller se faire voir. Bouh. Ah. Chevalier du cancer, tu me rends malade. Oh bonjour monsieur. Tiens. Oh. Aïe. La cheville du cancer, tu me rends malade. Ah, on me l'a jamais fait celle-là. T'étais tout seul dans ta... Bah attends, mais dis pas que c'est un boss ici là. Non, théoriquement c'est dans les abysses. Donc les abysses, on doit tomber. Ok, j'avais à peu près raison. Par contre j'arrive dans un endroit qui est pas forcément des... On voit rien. Allô monsieur? Oula, bonjour monsieur. Non, Aïe. Trop greedy. J'ai été trop greedy. Ah putain, j'aimerais bien avoir un feu dans le coin quand même. Oh putain, il y a un gros limon. Oh! Hein? Mais il y a une putain d'allonge, t'enfoiré! Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est cette sorcellerie? Il fait des petits caca?
attend déjà. Voilà, allez viens. Et viens copain. Et viens copain. Oh il a peur. Le mec il a un monde par la main et il prend plus de dégâts. C'est ça le secret hein. Vas-y par la main enfoiré. Et hop là. Ah mais du coup contre les blobs je suis censé faire super mal aussi. Bonjour monsieur le blob. Oh c'est dégueulasse ça monsieur. Ah putain mais c'est un blob avec un visage. Oh putain, oh putain, oh putain. Le blob il invoque des bombes, au calme. Oh oh. On peut la mettre à mon cou. Et là pouf. Oh un blob qui explose, c'est tellement beau. Par contre, est-ce qu'il y a des méchants dans le coin? Ah, j'ai entendu du bruit. Je sais que vous êtes là. Ah, vous êtes là. Coucou toi. Coucou mon bon monsieur. J'aurais pu attaquer deux fois. Mais je préfère la pénétration. Ah. Voilà, couchez-vous. Eh mais je galère beaucoup moins que dans les archives hein. C'est quand même hyper violent hein, la différence hein. Un petit peu d'humanité. Attends je me méfie parce que vu qu'il y a des blobs. Vous sentez le piège ici? Ah gros gros. Personne. Personne. Toujours personne. Trop de suspense hein. Ils sont les méchants. J'aime pas trop ça. C'est beaucoup trop calme. Putain en plus tu vois quasiment rien quoi. Les mecs c'est des... ils sont habillés en noir. Là on est dans le monde de Sodarky là. De Dark Sasuke du 90. Et un petit bisou au passage à lui hein. Mais... Ah, il y a un coffre. Ah, je me demande ce que c'est, hein. Ah, il avait les chaînes en rond. Très grande braise. Oh. Je préfère quand c'est un petit peu moins calme. Il est trop dark ce monde, fais chier. Mais du coup, faut que je retrouve Artorias, enfin le... Non, parce qu'Artorias, il est dans le passé. Le siècle, il est dans le DLC qui est dans le passé. Donc faut que je retrouve la tombe d'Artorias. Pour qu'il me donne son secret pour marcher dans les abysses. Sauf que ben... Oulala, la tombe je crois que... Elle doit pas être ici hein. Parce que ça a beau être très dark dans le coin, je pense pas que ce soit un endroit pour mettre une tombe. Oh! Qu'est-ce que j'ai débloqué? Est-ce que c'est le gangbang? Non, pas encore. Ah! Oh! Ouh! Ii! C'est trop bien! Bon! Artorias, non, ça va. T'imagines, tu peux pas faire un boss principal si t'as pas combattu. Ouais, t'as vu, ça serait abusé quoi. Donc, non, là c'est le cadavre d'Artorias. Sauf que du coup, il faut trouver sa tombe et sa tombe, bah. Comme on dit dans le jargon, elle s'était cachée. Attends, c'est quoi ça? Non. C'était pas un caca de limon. T'imagines, ouais, si vous voulez terminer le jeu, veuillez acheter le DLC. Enculé! Bonjour, bonjour! Bonjour! Oh oh! C'est quoi ce truc là? Oh! J'ai cru que
Ah, ok, d'accord, c'était sa main en fait qui faisait ça. Meurs! Pénétration! Putain, j'ai cru que c'était un monstre quoi, c'était un truc énorme. Mais non, c'est un petit spectre. Par contre, les spectres dans le 3. Je crois qu'ils se sont entraînés et tout, ils ont bouffé des. Ils se sont dopés parce que là, ils sont. Je trouve vraiment tout con là. Ah, moi je vais avoir un stuff abusé. Ah du coup ça rejoint peut-être ce que je dis hein, ça se trouve vu que j'ai buté un dragon et tout ça, j'ai fait une autre partie. Ça se trouve je suis surboosté hein. Bonjour monsieur. Je m'excuse. Vas-y monte. Allez monte. Voilà, et la pénétration. Alors lui il est vraiment bigleux hein. La pénétration. Ouh. Dans ton petit cul. Ton petit cul. Ok, c'est le mec qui est mort qui a dit ça. Ton petit cul. J'entends des monstres qui sont morts. Et je suis redescendu ici. Mais merde! C'est super chiant. Déjà t'as l'impression de marcher dans les égouts et en plus, c'est labyrinthique. Du coup, putain, je serais même pas capable de reconnaître par endroit où je suis venu. C'est quand même pas par ici que je suis venu. Non, c'est pas par ici. Pas par ici du tout. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs. Non. C'est bon, je vais tuer un putain. Live to win. Pénétration ou dans le cucu comme on aime si bien. Oulala, bonjour monsieur. Non, par contre vous êtes gros. Ouh. Oh. Attention. Oh putain. C'est une bombe. Ah la wakba. Pouf. Oh le con. Oh l'esquive. Oh. Oh. Là j'ai tué monsieur Bouboule. Monsieur Bouboule qui a laissé une bombe derrière lui. À la wakba. Pouf. Des bombes de caca. Des bombes abyssiennes. Alors, est-ce que vous êtes un... Ah, Mimic ? Non, toujours pas. Éclat tétanette. On a retrouvé de la tétanette. Oh oh, j'ai retrouvé un autre chemin. Bonjour monsieur. Oui. C'est pas les gars ce que vous avez fait là. Oh, quelle belle danse. On se croit dans Star Wars, tellement c'était beau. Par contre, veuillez mourir un peu, s'il vous plaît. Bon, encore un autre chemin. Donc là... Ouais, non, c'est pas déjà les 4 rois, donc... Oh oh, ça descend dans les profondeurs, j'aime pas trop. Oh putain. Oh non, me dis pas que j'ai fait la connerie de... d'aller dans un endroit... Putain, j'aime pas ça. On peut encore descendre. On bat 40. T'es sérieux là, j'arrive au boss là? Ouais, non, on descend vraiment tout en bas, donc non, c'est... les abysses. Et je suis pas encore mort. Je suppose que ça s'est refermé. Non, 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 le mec il voit ça. Non, 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 non. Ok. Alors, tu sais quoi? Et hop là, on évite une mort. Easy peasy. Bon, ça fait chier de re-zapper tout le chemin, mais...
Oh putain. Ça fait crash. Attends, du coup, tant qu'on est là, est-ce que la clé qu'on a ramassée par hasard serait un truc pour ouvrir le... Dis pas que Dark Souls a déjà été fini à la voix. The fuck? Déjà fini à la voix? Genre le mec il dit esquive, le perso esquive, le mec il dit gratte-toi les... Bah le mec se gratte les... Oui, Dinema, oui. Bah attends, y'a quelqu'un qui dit que Dark Souls a déjà été terminé à la voix. Bah justement, je me pose ça comme question en fait. Du coup, je demande des détails. D'où le grattage de... C'est ça, c'est... Tu le plus, tu le mieux. Tu le mieux. Panique-toi. Parce que je suppose que ça va être ici, la tombe d'Artorias. Parce que ça a l'air d'être le... Bah d'être beau. Donc d'être tranquille, tout ça. Non, toujours pas. Bon. Alors téléportation, sanctuaire de l'Icheveux. Par contre, du coup, ça m'intrigue là. Ça m'intrigue complètement. Toi, on va se placer ici. Voilà. Ah bah du coup, attendez, j'ai quoi opérer un petit peu. Ouais, vraiment juste un petit peu en fait. Donc, un point d'endurance. Est-ce que je peux m'améliorer encore? Tac, tac, quand t'es de Baldir. Ouais, donc, truc d'aventure. Excusez-moi, je meurs de décès. Alors, truc d'aventurier, c'est mieux, sauf en défense magique et en défense électrique. Ouais, donc je vais retourner au truc d'aventurier, tiens. Bon, ça, je ferai ça après. Je ferai peut-être ça en off, le changement d'équipement, tout ça. Parce que faut que je me concentre et tout, ça peut être chiant, tout ça. Par contre, au moins, je suis pas mort. Par contre, je sais pas du tout... Comment on ouvre? Bah, comment on accède à la tombe d'Artorias? Parce que je suis sûr qu'elle se trouve pas à Nord-Londo. Enfin, à Nouvelle-Londo. Je suis sûr qu'elle se trouve là où on était. Parce qu'une tombe d'un héros, par Chabis, tout ça quoi, tu le mets pas dans l'endroit où il y a des méchants. En fait, je suppose que si j'avais pas tué le mec en rouge, j'aurais peut-être su. Parce que le mec en rouge m'aurait dit ah bah le ouvrir la porte de pour accéder à la tombe d'Artorias, il faut bien sûr tourner trois fois, appuyer sur Y et puis paf la blonde. Bonjour messieurs, héroïne de la nouvelle Londo. Bonjour bijour. Ah par contre, ah merde, la saloperie on repop. Les espèces de saloperie saucisse. Par contre c'est classe hein. La nouvelle Londo, touchée par les abysses. Ah mais ça se trouve il y a peut-être un passage qui a été déverrouillé entre temps. Ah, est-ce qu'il y a des saloperies ou pas? Oui, il y a des saloperies. Et merde. Bon, on va se dépêcher de tous les tuer comme ça. Déjà on récolte un peu d'XP. Ce qui est goûtu dans tous les cas. Et puis en plus, on va en profiter au maximum de notre connerie de touchage de fantôme là. Bon monsieur. Vous êtes tout seul ici? Y'a que ça? Mange les morts toi. Merde. On va continuer à vite. Oh, malédiction fut grâce. On va continuer un peu à vite. Qui c'est?
Qui me parle? Qui me tape? Saloperie, va. Prends ça, saleté de Casper. Putain, on joue à Ghostbuster. J'imaginais pas Casper dans ce sens-là, mais effectivement, ça fonctionne bien. Et ça marche bien. Attends, du coup, y'a pas de truc que j'ai... que j'ai découvert comme par hasard. Un petit chemin qui sent la rose ou pas? Parce que ça peut... Bah si, du coup j'ai découvert un chemin pour aller jusqu'ici. Non, non, non. Oh putain, oh putain. Oh putain, il se trappe. Viendez. À gros gros. Putain, mais ils font chier. Ils utilisent mes faiblesses, les murs. C'est bon, ils sont morts? Oh, je les ai tués. Par contre, la caméra, tu fais pas chier. Hein. Ah, de gré. Un petit fiole d'astuce niveau 4. Petite fiole d'astuce niveau. Niveau 4, niveau 2. Bon, bande de cons. Qui c'est? Oh, un cadavre. Bénédiction fut grâce. Ouais, bah je pense qu'on va revenir en arrière. Enfin, on va revenir en avant plutôt. Ouais, ça se dit mieux, ouais. Ouais, je suis content, une petite fiole de. Une petite âme de gardienne du feu, tout ça. Petite amélioration au KLM. On va se mettre bien. Oulala. Du coup, ouais, où est-ce que je pourrais trouver un truc pour ouvrir ce putain de mécanisme? Parce que sinon, on passe aux autres mecs en attendant. Hein. Si on trouve pas. Parce que on a. Ok, y'a des mecs en train de nager devant moi, c'est bizarre. Bonjour monsieur. Bonjour mon brave. Ah voilà. La porte que tu cherches à ouvrir, c'est André qui vendra la clé. Ah! Ah et du coup, parti comme fui. Tu te calmes toi. Vas-y, tu te calmes. Tu te calmes. Ouais, donc du coup, autant revenir en arrière. Ouais, du coup, ça servait à rien tout ce que j'ai fait en fait. Et ça, c'est cool. Et on apprécie ces choses-là. Bon, hein, on va pas se faire chier. Tac, 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 tac. On va revenir à l'Ichefeu. Ça c'est André le Oudlume Beat, d'accord. Tac, renforcé fiole d'essus. Oh oui, fiole d'essus renforcé. Zouin, 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 zouin. Téléportation. Bah du coup le truc que j'ai déverrouillé dans la forêt, hein, on peut pas se porter là-bas, c'est chiant. Alors mon cher André, va falloir qu'on parle. Il paraît que vous avez quelque chose pour moi. Salut ma couille. Ah oui, c'est vrai que j'ai chopé une braise entre temps. Jusqu'à venir changer mon bras gauche pour une gemme de ségalité. Ça peut toujours négocier. Tac 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 tac, attends, du coup il m'a. Ah, donc je peux mettre encore plus puissant et tout, ça c'est cool ça. Ah, bah attendez, renforcer arme. Un peu de dégâts en plus. Ah, enfin, par contre, niveau dégâts, c'est. Ça fait beaucoup moins que la Quelag, hein. Bon, acheter objet. Ah, ouvrez les portes au cœur de la forêt. Ouais, effectivement, Dartorias. Ouais, donc c'est bien, ouais, c'est bien ça, ouais. Donc du coup, 20 000. Très bien. TKT, André, j'ai de quoi te payer.
sert à rien ça. Si. Dans le doute, on va pas utiliser. Suspense. Et... presque. C'est ça, hein. Presque, ouais. Il manque plus que 300. Il manque plus que 300. Quel est votre métier? Bon, encore ça. Comme ça, après, si je meurs... Ça sera à combattre le... Ah non, mais on va pas combattre le fantôme d'Artorias. Je sais qu'on va combattre. Je m'en souviens qu'on va combattre si on... si on fait coucou à Artorias. Enfin, à la tombe d'Artorias. Un gros gros. Oh, stylé. Un gros gros. On va encore se taper les plantes vertes, là. Ça va être chouette. Bonjour, bonjour. Sérieux, il y a Jethro qui arrive. Cool. Enfin, en même temps, le temps qu'il rejoigne, j'aurais peut-être terminé, non? Parce que dans 50 minutes... on arrête dans 50 minutes, les enfants. T'es pas compte, dans 50 minutes, quoi. Et on est repassé à 2 spectateurs. Ouais. Je sens que les gens m'aiment. Je sens que les gens aiment me regarder jouer. Et ça, c'est classe. Bon. Emblème de mes deux. Ouvre les portes de la forêt. Enfin. Nous nous retrouvons. Dans le doute, on va peut-être... parce que si je me fais pénétrer le cul et tout, autant j'ai de quoi réapparaître à côté. Allez, hop, zou. Alors, il y a un truc là-bas, mais ça doit être une plante verte qui brille. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, non, 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 non. Aïe. Putain d'esprit de la forêt à la con. Meurs, meurs, meurs. Ok, donc ça, c'est déjà plus chiant. Il y a des gens qui m'aiment pas qui sont là. Mais qui sortent de nulle part en plus, j'ai l'impression. Parce que j'ai pas l'impression que je les vois au loin. Bonjour. Ne va pas vers la lumière. Ok, j'y vais pas. Oula, oh putain, mais il fait peur ce con. Ah, ceux-là j'ai tué en deux coups par contre. Ils ont chopé de la solidité, ces saloperies. Je vous raconte pas, c'est quoi ces trucs là-bas là? Ah, c'est des arbres. Oh putain, ils font chier à attaquer à plusieurs là quand même. Non, non. En plus, ils viennent. Ah, en plus, ils esquivent. Ils sont partout! It's a trap! It's a motherfucking trap! Par contre, j'aimerais bien régénérer un petit peu, s'il vous plaît. Ça vous dérange pas? Non, pas dans le dos, pas dans le dos. Meurs! Meurs! Saloperie! Arrow de mes deux! Ouf! Par contre, j'ai pas encore rencontré des ennemis qui nous font saigner. Et ça, je sais pas si c'est bon signe. Alors. Un gros gros! Voilà, toi tu meurs de décès. Toi, allez, viens, viens copain. Je vais te montrer des choses qui dépassent ton imagination. Un pouvoir. Un pouvoir qui te pète le cul. Alors, est-ce qu'il y a des méchants derrière? Non, non, pas de méchants derrière.
Oh! Attends, j'aurais une de ces réserves de trucs, moi. J'aime pas ça. Ah bah cool. Une petite hydre. Normal. Attends, j'ai tellement encore prendre cher à la fin de la session. Petite batte dans la forêt. Est-ce qu'ils sont les méchants? Faut que j'aille vers la plante, je pense. Comme ça, j'aurai des ennemis, je vais pouvoir leur trouver le cul. Et après, on m'indiquera peut-être la route à suivre. J'entends un hibou. Ah, on me tire dessus. Nyehin. Monsieur est transparent. Oh putain. Y'a quelqu'un qui approche. Y'a quelqu'un qui est derrière moi, Ou alors toi, ou alors je vais te me le faire. Putain, mais il fait chier. Où qu'il est? Merde. Les arbres, mes fidèles ennemis. Ah, qu'il est là. Aïe, non. Reviens ici. Voilà, donc il reste plus qu'un... Oula, putain, j'ai cassé un buisson, j'ai eu peur. Ah, alors comme ça, on est méchant. Ah, j'adore ces moments-là. Où les mecs tentent des choses et ils arrivent à se décoincer. Merde. Ah mais putain, mais t'es pas le mec qui me poursuivait. Ouais. Ah, oh, du poison. Toi tu vas te faire un autre sympathique. Heureusement que tu brûles bien. Bon. Ah, en fait je suis en train de me fight. Je suis en train de me faire toutes les classes du jeu en fait. Oh, tu fais mal toi. Je suis en train de me taper toutes les classes du jeu en fait, c'est ça hein. Pew. Le combat le plus passionnant du monde. Et attends-toi. Voilà. Ok, bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes cachées dans les fourrés? Parce que c'est un peu... Ah. Alors toi, est-ce que t'es un pyromancien ou un mec divin? Ou t'as l'air d'être un mec divin, toi, avec ta masse et tout. Meurs. Il meurt pas. Voilà. Épique sur 20. Bah ouais, j'avoue que les méchants ils sont pas très Alors du coup ça doit être quoi le pyromancien? Ouais, t'as une capuche de pyromancien, ouais. Ah non, toi t'es un barbare toi. Ah gros gros. Non, attends, y'en a une autre qui me regarde je crois. Oh putain, toi tu fais mal toi par contre. Le tourner le dos c'est un peu con par contre. Brûle. Rayon. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des méchants par ici. Si. Non, t'as l'impression qu'il y a plus un beignet aux pommes par terre là. Non, c'est juste un caillou. Ok, donc théoriquement, il me reste le cléric, on vient de le buter, il reste encore un pyromane. Et je crois qu'on aura fait toutes les classes de Dark Souls. Pas de pyromane à l'horizon. Attends, y a un truc qui brille. Non, ça c'est... Ceci est une plante. Ah, ceci est un sapin. Bonjour.
Attends, laissez-moi sortir. Attends, de l'exploration, ça c'est génial. Faites Dark Souls, c'est pas forcément un jeu de combat. On peut très bien prendre son pied en faisant de l'exploration. Dans des paysages merveilleux, tels que la forêt noire. Oh, des champignons. Vous êtes pas méchant? Ah, vous êtes peut-être pas méchant, par contre, vos papas, votre maman, si. Ah, t'as ce que ça pète quand ça meurt? Bon, ça pète quoi? T'as tué mon copain! Je vais être démonté! Oh, il est trop mignon! Meurs! Oh, il y a d'étranges lumières. Il y a d'étranges lumières qui passent par ici. J'entends des bruits de pas. Je te hais. Pourquoi moi? Pourquoi tu me détestes? Parce que j'ai tué des champignons? Tu tues les champignons? Bah oui, il m'a regardé de manière douteuse, ce champignon. Champirion. Parce que du coup, faut pas que j'ai tué les champignons par hasard. Parce que là, le petit, il voulait me casser la gueule ensuite. Hein. Ah, du coup, attends, on va essayer de le taper. Coucou toi. Ils sont gentils. Bonjour monsieur. Ça lui rappelle sa vie sexuelle, monstre que tu es. Vous êtes gentil, vous. Ouais, gentil, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule de la gentillesse là? Putain, je me sens entouré. Putain, on dirait qu'il y a une moustache, mais en fait c'est ses yeux. Oh putain, il frappe fort, c'est con. Oh, il frappe fort, c'est con. Attends, je vais énerver un peu plus. Ah, ça t'énerve, hein? Putain, mais arrête de frapper. Eux, ils sont pas masse faiblard à l'épée de Quelag. Hein. Putain. Putain, il frappe pas deux fois de suite ce con des fois. Hein. Ah, une fois. Et qu'une fois, d'accord. Oh putain. Esquive. Mange tes... Ouf. Putain, par contre, ils sont nombreux, ces cons. Résine des pas dorés. Alors, toi, je vais te le... Non, parce que, ça... Je fais de la prévention, ça, monsieur. Il a un regard blasé, le champignon, quoi. Un gros gros. Bon bah, t'es mort. Alors maintenant, on est plus que nous deux. Aïe. Une fois. Bon, tu... Bah, tu meurs, hein. Résine de Pandoré, ça c'est cool, ça. Normalement, ça devait faire des éclairs, hein. Des Pikachu. Bon. Tu m'as l'air d'être quelqu'un de super sympathique. Braise enchantée. Oh, je pourrais faire des armes
Bah enchanté. Comme l'arme que j'ai déjà actuellement. Enfin, pas il se passe sur moi, mais... Enfin si, elle est sur moi, elle est dans ma poche plutôt. Par contre, où est-ce que je vais? Je crois bien que c'est au niveau du pont que j'ai vu tout à l'heure, mais... C'est quoi ces trucs là? Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Il y a des gros rats, monsieur. Attends, j'ai vu un truc. On peut appuyer sur. Ah non, il y a pas un truc. Bon, non, ça, y a rien, d'accord. Putain, je me suis paumé, je crois. Je me suis complètement. C'est chat. Je crois que t'as tenté de faire de l'humour, Stay. Je suis pas sûr, mais. Non, mais je viens en paix. Je viens en paix. Et c'est pas vers eux. Tu t'es fait avoir, pauvre con. Bon bah si c'est pas vers eux, on se retrouvera, bande de chats. Et donc c'était un chat, c'était pas un rat. Alors, de toute façon, on va vers ici, et si je me fais rejeter, on va tabasser des chats. Alors, est-ce que ceci est un... est une ouverture anale de boss ou pas? Je suis le représentant d'Artorias. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Il y a une tombe au milieu. Donc j'ai trouvé peut-être ce que je voulais, mais je sais qu'il va y avoir un boss. Et je sais quelle tête il a, le boss. Oh putain, c'était... Mais cette épée, elle est géante. Putain, toutes les lames à côté, c'est beau. Et voilà. C'est parti pour le pétage de cul. Ah, bon. Concentration. Bonjour. Ah que coucou. Oh putain. Oh putain, c'est un loup. J'ai presque envie de dire, sa faiblesse c'est le corps à corps, mais Oh putain. Oh putain. Oh putain, c'est beau. Oh c'est beau. Oh la belle bête. Le didou! Le didou! Brûle! Brûle! Rodidou! Ouais, désolé, Rodidou, mais je vais devoir le tuer. Hein. T'as Clément, c'est un pu... Enfin... Oula, oula, non, 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 non. Je suis en dessous, tu me touches pas, hein. Ah putain, j'ai trouvé son pas faible! Enfin, vite fait, hein. C'est un putain de Pokémon, quoi, en fait. Elle prononce son pseudo et tout. Oh, didou! Arrête de sauter partout, saloperie! Oh! Il est trop cool, ce didou. Aïe, aïe! Sale bait! Ah, gros gros! Non, le tue pas! Bah. Dis-le de m'arrêter de m'attaquer alors! Couchez! 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 Putain, il marche dessus! Bon bah, il brûle, hein! Hein, pour un chien, tu brûles bien, hein! Aïe! Ah, putain, ça fait assez attendre! Tu peux pas mourir si. S'il te plaît. Attends, on peut discuter. Cul sec. Oh putain.
Y a que des mauvais maîtres. Tant putain, mais il refait ça, mais il spam son attaque. Saloperie. Brûle. Bon bah, first try. Serment d'Artorias. Oh, âme de Sif. Os du retour, humanité, tout ça. Ah, est-ce que je peux dire quelque chose au moins? Non, il n'y a pas. Bonjour madame. Pas lire? Ben joue au DLC alors. Bah ben, le mettre ton lotus dans le DLC. Désolé Rodidou, mais. Disons que je devais le faire. Je désabonne Rage Kit. Mais il était enragé. On devait le piquer. On devait le piquer, il était enragé. Ah non du frelon, alors ça améliore les attaques. Zach, non, il parle de porter les années la dague de Saiyan et Minus de Seigneur de Gwen. Oh, c'est stylé. Les espadons, ouais. Alors, du coup, j'ai. Ah, serment d'Artorias, traverser les abysses. C'est un symbolisme de pas conclure entre chevaliers d'Artorias. Je me meurs. Un serment d'Artorias, son porteur pour traverser les abysses. Oh. Du coup, c'est bien celui-là qu'on veut. Pas celui-là, mais celui-là. En plus de la part de Crophil. T'as trop bu, gros. Grosse piqûre. Attends, c'est Crophil qui t'a dit ça? Du coup, je peux aller directement tabasser le boss. Mais est-ce qu'on va faire, on va faire un petit tour du côté des chats? Histoire de voir et tout, de tester, de faire des choses, tout ça. Parce que je sens que les 4 rois, je vais en chier. Parce que s'ils sont vraiment 4, tu te rappelles ces connards de champions d'arène Pokémon pour les potions de vie? De quoi ça s'agit? Bonjour! Salvate! Petit, petit, petit! Brûle! Oh putain! Ça, le prix couché! Sale bait! Par contre, ils étaient plusieurs au-dessus. Oh, putain! Bonjour! Bonjour, ah, bijure! Oh putain, non, non, ça fait. C'est un piège! Reviens ici toi. Aïe. Oh putain la saloperie. Ça c'est un chat nickleux. Putain mais... Et le respect de la nature, tout ça, le maître... Bon en fait j'ai plus beaucoup de trucs donc attends. Est-ce qu'ils sont sensibles à ça? Bon en fait j'ai plus beaucoup de potions de vie donc dans le tout. Et vu qu'ils sont deux, on va peut-être se casser. Non, non, couchez. Putain mais ils sont chiants les deux. Eh, arrêtez de vous battre à deux. En plus ils bougent partout. Revenez. C'est que tu n'as plus tout court, oui. Reviens ici. Oh putain vous faites chier. Ça suffit hein. Reviens dès. Oh putain. Oh putain. Où c'est? Je crois que j'ai... J'ai eu un chat. Saloperie. Oh putain. Ça suffit. Non mais toi tu recules, après tu vas faire des coups de pute. Voilà. Là tu te casses. Tu reviens. Mais la saloperie. Esquive.
On esquive du tout. Alors. Donc, il y avait que 3 chats. Il y avait que 3 saloperies de chats. Quand on est 4. Oh, attendez, attendez, je peux tenter quelque chose. Une petite humanité. Ouais, du coup, là, je pense que c'est pour affronter l'hydre de la saloperie de tout à l'heure, en fait. Ah bah oui, là. Elle était là. Là, tu vas vers DLC. Bah, attends, je ramasse... Ok, je ramassais ça, mais non, en fait, y'a rien. Tac, téléportation. Téléportation ninja. Je me barre d'ici. Ah, c'est bon, ça. Ah, ça va mieux, je meurs moins. Un jardin de noires souches. Téléportation. Sanctuaire de l'Ichefeu. Bon, bon, on va sortir les 4 rois, quitte à se faire péter le cul. Ce qui va très certainement arriver. Alors, un peu plus d'endurance et on remet un peu de dégâts. Attends, j'ai un peu d'âme en trop là, je vais pas avoir autant d'âme sur moi, donc du coup... Non, il en faut plus. Toujours plus. Non, pas l'âme de Sif. Ah, l'âme de Sif, je pourrais peut-être créer une arme sympa avec. Honnêtement, avec moi, j'aurais assez. Ça se trouve, j'ai gâché des âmes. Ah, c'était 8000 ça. Ça se trouve, j'ai gâché des âmes. Ouais, 6000, ok, ça, c'est bon, j'ai assez. Plus de dégâts. D'ailleurs, du coup, vu que j'ai augmenté un peu mon endurance, enfin, j'ai même pas augmenté un peu mon endurance, mais est-ce que je peux quand même prendre des trucs un peu plus lourds? Genre, ça par exemple, c'est génial. Sauf que. Ouais, ça, je suis toujours aussi agile. Oh putain, t'es sérieux, Stay? Ça, c'est si tu veux tout faire. Jeu qui te dit fuck. Non, c'est pas pareil. Attends. Si, c'est pareil, si, c'est bon. Ta 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 ta. Putain, force d'intelligence dextérité, il faut. C'est fou, bah ça comme arme. Ça, c'est en fait, c'est pour les. En fait, l'arme dont tu parles, Stay, c'est pour les mecs qui ont pas réussi à se décider au début, qui ont évolué un peu partout. Et qu'à la fin, ils se disent merde, mais je fais pas de dégâts en fait. Et là, paf, on leur offre une arme complètement pétée. Raccourci. Je me suis un peu cassé une jambe, mais c'est pas grave. On s'en remettra. Putain, par contre, faut que je regarde l'écran. Parce que si je regarde pas l'écran, je me meurs. Tin 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 ta 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 ta. Jure. Bijour, bijour, je viens vous tuer. Afoué. Je viens vous transpercer la tête. Voilà. Excusez-moi, je ne fais que passer. Je me meurs en fait. Je savais. Alors, peut-être personne ou pas? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ah, par contre, du coup, là, il va y avoir quelques chevaliers qui vont péter les couilles. Bijure.
Bah oui. Ah c'est bon, Clémence l'avait boude. On a tué un Rodidou. C'était la quête qui voulait qu'on fasse ça. Il était enragé le Rodidou. Fallait le piquer. Ah, fallait le piquer. Dame Rodidou. La dame au chien. Fallait piquer la pauvre bête. Bijour. D'autres méchants ou y'a juste toi derrière? Bonjour. Non, non, y'avait aucune preuve. Parce qu'au final j'ai juste touché l'épée hein. Aïe, oulala, oulala, où toi tu es de chiant toi? Non, non. Putain, j'ai failli mourir comme un con. J'ai failli mourir comme une tata providentielle. Bichir ? Ah, ça y est, y a de la rage. Dame Rodidou est rage. C'était lui ou moi, petite. Si je faisais rien. Attends, je pense que je vais pas te sortir chez toi ce soir. Ni demain, ni jamais, je pense. Il allait combien. En fait, faut que je fasse le DLC pour montrer que le Rodidou il va bien. Oh putain. Oh putain, mais son. Non, sérieusement, je vais me casser d'ici, c'est plus ça va moche. Je vais aller au nuage de fumée. Oh putain. Voilà, tac. Si je fais le DLC et que je montre que le Rodidou il va bien, ça devrait aller, non? Par contre, du coup, le chemin c'est lequel déjà? Le chien a plus la rage que toi quand tu joues, en tout cas. C'est beau ce que vous dites. Bijour, bijour? Non, pas par ici. Bon, bah c'est parti. On va se. L'escalier qui montait, bah oui, de toute façon là c'est. Mais y'a un fantôme, c'est pour ça que j'ai envie d'y aller. Ah, attends, mais du coup, je suis encore malédictionné? Je suis encore maudit. Bonjour monsieur. Ah putain, mais il fait chier. Non, non, qu'est-ce qui se passe? Non, il me fait l'amour. Ah. C'est pas autorisé ça. Tac, 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 tac. Eh, reviens ici, reviens ici. Putain, ça fait chier. Oula, oula, ça c'est pas prévu ça, ça c'est pas prévu ça. Je vois que ton pote, regarde. Aucun respect. Et tu meurs, c'est bon. Alors, les saloperies de saloperies. Vous êtes où? Coucou. Putain. Putain. Meurs, meurs. L'âme de fantôme est bréchée. Oh, c'était stylé. Comme non. Là il y a un coffre, ah, gros. Je ne fais que passer coucou. Ah là il y a un méchant. Ah je crois qu'en plus c'est derrière moi en fait là, ça, là. Voilà, là tu meurs. Et le boss est juste derrière. Bon. C'est parti pour le pétage de cul. Putain, les 4 rois, là je stresse un peu quand même parce que les 4 rois, j'ai bien mis l'anneau, ça serait con d'oublier, j'ai mis l'anneau. Parce que là ça serait quand même con d'oublier de mettre l'anneau. Putain, je stresse. Je vais tellement chier. Je me demande si on peut invoquer quelqu'un. Alors je vais pas faire mon racisme, ça devient de plus en plus noir j'ai l'impression. C'est prévu, j'espère. Ouais, c'est prévu. Sinon, je serais mort depuis longtemps. Les abysses. Oh putain.
T'es en carcasse donc non. Oui non mais justement c'est si je me ramène. Ah méchant. Bonjour monsieur. T'es comme ça toi. Putain mais. Putain. Mais c'est quoi ça? Attends. Oh non, non. Oh putain, mais fais chier. Esquive. Esquive, non pas esquive du tout, pas esquive du tout. Putain, ils sont deux, ils sont deux. Esquive. Esquive. Oh putain, esquive pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, il a un trou noir. Non, ils sont trois. Ils sont trois maintenant. Ils sont trois. Vas-y, meurs. C'est bon, j'en ai mis un. Suivant. Ok, ça va, ils combattent un peu à la loyale quand même. Putain, j'ai fait de la merde. Non, non, il attaque. Loyal, mon cul. Toi, tu as tué le rodidou maintenant, t'as débloqué mauvais sang du jeu. Non, je veux pas. Putain, mais ça tue jusqu'à la fin du jeu? Oh putain. Oh putain. Non. Lâchez-moi, monsieur. Putain, mais ils sont chiants à être tous les 4 là. Esquive. Putain, je savais. Nya. Nya. Non, mais par contre, non. Chacun son tour. Chacun son tour, s'il vous plaît. Putain. Chacun son tour, s'il vous plaît. Ils sont plus que 4. Ah. Ah, attends. Non, putain. Non. C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il se passe? Ils font des trous noirs, ok, LM, tout ça. Est-ce que je peux... Non. Putain, je suis arrivé à un mur. Putain, mais... Ah, je suis pas mort? Ah si, je suis mort. Ah non, mais c'est abominable là. C'est abominable. Ah du coup, une mort en plus, j'avais presque oublié. L'Empire 43, ben du coup. Avec un peu de chance. Voilà. Avec un peu de chance, il y a un pote qui va pouvoir venir. Ou alors j'ai invoqué Satan, mais ça c'est une autre histoire. Bad ending. Mais t'arrêtes de rager là, oh! Dis donc! Putain, mais 4! Bah, plus de 4 personnes pour le coup! Au moins, j'ai réussi à en tuer un! Donc, en 1 contre 1, je les baise! Voilà! Par contre, ils sont pas que 1 contre 1. Là, c'est 1 contre, on va dire 6000, à tout casser. En fait, ce qu'on nous dit pas, c'est qu'il y avait les 4 rois plus leurs disciples! Leur doublure. Donc ils sont 8. Et oui, Jamy, c'est comme ça que ça passe. Bon, avec un peu de chance, je vais pouvoir invoquer un autre mec. Eh, attends, j'ai pas... Attends, le mec de Katarina, là. Il a dit qu'il voulait descendre. Donc ça se trouve, c'est peut-être lui que je vais pouvoir invoquer.
Ou alors pas du tout et du coup je vais me faire baiser. En fait si tu finis pas assez vite. Ah oui en plus, donc en plus c'est limité dans le temps. Ah bah bien. Attends, j'ai pas un bouclier spécial anti-magie d'ailleurs pour le coup. Parce que j'ai l'impression qu'ils font des dégâts magiques. Je prends autant de dégâts qu'avec avec les sorciers quand ils faisaient leur petite boule. Tac, 45, tati, tout, papou. Non, on vient en arrière. Pou, pi, pa, pou, pou, pi, pou, pa, pa, pi, ti, pou, pa, tout, pi, pou. Non, nique-toi. Et non, tu peux appeler personne. Ah! Bon, ok, ma vie, c'est vraiment de la merde alors. Bouclier spécial anti-mort. Si seulement. Non, non, j'avais oublié toi. C'est... Attends, car la personne qui peut t'aider devient que si elle t'aide pour le papicorne. Sérieux? Y'a quelqu'un pour m'aider à ce niveau-là? Bah c'est cool ça, je vais mourir dans ma chiasse. Bonjour messieurs. Mais meurs toi. Bonjour toi. Mais toi. Fous-moi la paix. Taisez-vous. Attends, y'a encore une bestiole que j'ai entendu gueuler. Hein. Hein, c'est bon. Putain, donc je me retrouve seul face à 4 types. Je déteste ma vie. Alors spoiler, je sais pas si on va pouvoir terminer ça avant 19h. Bonjour toi. Toi ? Non mais sérieusement. Allez viens, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, j'attends. Viens. Alors lui c'était un génie. Dans le milieu on l'appelait la flèche. Gros gros. Ah mais peut-être que contre le roi ils sont peut-être sensibles au divin. Vu que c'est les abysses tout ça. Ah enfin peut-être que j'utilise la lame des abysses. Enfin la lame divine. Même si elle fait moins de dégâts dans les faits. Peut-être que contre cette saloperie elle pourra faire quelque chose. Voilà, pénétration. Et il meurt. Faiblesse au feu, t'es sérieux pour cela? Parce que Papicorne, ça se voyait qu'il était faible au feu, il prenait 3 coups, il mourait. Le pouvoir de l'amour, ouais, enfin... Spoiler, hein, ces gars-là, je crois que l'amour, il s'en bat les couilles. Hein. Eh bien. Mais ça, il arrive à toucher. À la magie et à la foudre. Ça oui, ils sont sensibles à tout ça. Bonjour toi. Alors, est-ce qu'il y a une saloperie qui veut descendre ou pas? Tant que je suis lancé. Bref, tu vas en chier. T'as une façon de me rassurer, mon gars. Bonjour monsieur. Pénétration profonde. Attends, je préfère quand même vérifier au cas où tu te trompes. Parce qu'il y a plein de fois t'étais en mode surpris. Donc ok là tu t'es pas trompé, ça fait chier.
Bon bah c'est parti. Ah, on va te voir. C'est du speedrun en fait en gros. Personne invoqué, ouais. T'as un boss que tu dois tuer en le plus vite possible quoi. My god. Oh my god. De toute façon la partie comme c'est, ça peut être, j'espère que ça durerait au moins 5 minutes. Ah non, si ça dure 5 minutes, il y aura le temps de tout pop. Donc allez, on se concentre. C'est parti. Mon cadavre, il est où? Où qu'il est? Ah putain, il est là-bas. Viens ici, espèce de salaud. Putain, mais je voulais esquiver sur le côté. Viens ici, salaud. Non mais arrête de fuir. Oh putain. Putain. C'est bon, j'en ai eu un. Il est où le deuxième? Oh il est là. Il est là. Putain. Allez go 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 go. Non mais esquive mieux. Et genre il m'a touché. Putain mais genre il m'a touché. Saloperie. Par contre, ouais, j'aurais peut-être dû prendre un truc pour l'endurance. Oh non, non, il va faire son tournoi, il va faire son tournoi, il triche. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Aïe. Mais je... Attends, il est arrivé, il m'a frappé, il est parti. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Attends, replay. Attends, déjà, une mort en plus. Putain, j'ai pas vu. J'ai appuyé sur la mort en plus. Je sais même pas comment je suis mort en fait. Parce que je me suis pris deux coups à la suite. Bon, de toute façon, l'humanité ça sert à rien. Allez, une dernière tentative. Tant pis si on dépasse légèrement 19h. Mais ça va, le premier, on a eu le temps de le tuer avant que le deuxième le fasse chier. Donc, il y a encore de l'espoir. Là, si le mec avait pas fait son tour, je pense qu'il a juste spin to win. Bah ouais, non mais il a frappé deux fois, j'ai reçu deux coups en même pas une seconde. Donc je pense qu'il y a son pop qui apparaît, qui a fait pouf et qui est parti en arrière. Bah là, c'est bon, faut y croire. Ton petit tu as pris dans ton petit cul. Bon ça, le premier j'ai réussi à le tuer avant que le deuxième fasse chier. Donc le deuxième, s'il avait pas fait de trou noir, après ça on boit pour oublier. Ouais. Pour la boisson. C'est pas mal, faudrait que tu ailles à peine plus vite. Bah, et encore, l'autre j'aurais pu le finir s'il avait pas fait son trou noir. Raccourci. Ça marche pas. Si l'autre avait pas fait son trou noir de la mort qui tue, j'aurais pu lui péter la nuque. Mais non, il a fallu qu'il fasse un trou noir et tout ça. Par contre, j'ai pris des coups, je me demande d'où ça vient quoi. Bon, au moins, ce boss là n'est pas infaisable. Ça toi, she said. Ça passe pas, tu es toujours tenté de faire les pirons si tu te fous de ma gueule. Non mais arrêtez! La pyromancie, déjà. Ah si, j'ai une main de pyromancie. Par contre, des vos sorts, c'est pas top. Puis non, ça me fera perdre du temps parce que je fais plus de dégâts avec la lame qu'avec les sorts. Et les sorts, je pense pas qu'ils feront masse de dégâts non plus. Bonjour, Twee. Enfin, je pense qu'avec la pyromancie, je prendrais plus de temps qu'autre chose. Ah, est-ce que les autres vont venir me faire chier? Mais jure. Ouais, dans le doute. La pyromancie des... Non, madame.
C'est bon, c'est le dernier. Ah non, c'est vous le dernier. La pyromancie, la stat dépend de l'item que tu tiens, pas tes stats. Ah. Intéressant. Ah du coup toi, mécanisme ne bouge pas, merde. Je pensais le faire remonter pour un guide du temps pour la prochaine mort, mais c'est pas possible. Bonjour monsieur. Pénétration. Bah du coup, là on le tente encore une dernière fois. Et puis si ça marche pas, bah on va tenter la pyromancie. Hein. Bonjour monsieur. Pénétration, comme on l'aime si bien. Brûle. Tin 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 tin. Jure. Pénétration. Oh là. Le taux de pénétration dans ce live. La puissance. Alors. On continue, continue, continue. Ton petit cul. Personne vient. Ton petit cul. Non. Non, 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 espèce de saloperie saucisse. Tu donnes rien toi de toute façon. Plaît-il ? Ah, t'es là. Non. Du coup, attends, on va reculer. Hâte de perdre du temps à te faire baiser par des... Putain. C'est vrai que si ça vient de Crofil, c'est dire que je perds vraiment beaucoup de temps. Justement, donc Crofil, donne-moi des astuces pour pouvoir baiser les morts. Pour pouvoir les baiser plus facilement. Je suis tout oui. Bon, il y a... Ah, fantôme pépute. Voilà, meurt. On va préparer. Voilà, on va préparer de quoi. Tac tac. Donc du coup. Ça, on va enlever. On va remplacer peut-être par un truc plus sympathique. Qu'on a chopé des fleurs de... Voilà. Des fleurs d'endurance. Ça pourrait peut-être être sympa. Bon, la potion de soin, théoriquement, j'aurais pas trop besoin. Du coup, pas de soucis de picole. Et puis en même temps, hey, entre nous. Il nous aguiche, on est d'accord. Bon. Dernier essai sur le fantôme. Après, c'est soit Rage-Kit, soit Win-Kit. Parce que du coup, j'ai des choses à faire après. Et Geronimo ! Welcome to the Abyss. Alors. Voilà. C'est parti ! Mais non, mais il commence directement avec ça ! Saloperie quoi, il triche ! Putain ! Là, je fais de la merde. Esquive. Mais Jack, il a la derrière dans le dos. Non, non, mais déjà, l'autre, il a déjà pop.
Mais il m'a touché, mais j'ai pas touché. Alors toi, saloperie. Mais j'ai rien touché. Ah ok, d'accord, il m'a vraiment touché deux fois avec ça, quoi. Oula, j'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Merde! D'accord, il vient de toucher. Oula, il m'a bien touché deux fois. Santé! Oh non, non, pas le trou noir. Non, pas toi! Non! Ça y est, c'est trop tard, j'ai perdu. Non? Oh putain, il me fait. Bon, je crois que je suis mort, hein. Lâchez-moi. Mais jamais touché de si loin. Voilà, je vous tue. Aïe. Bah de toute façon ça j'étais prévu que je fasse frapper. Oula. Non, j'avais esquivé. En plus ça dure des plombs. Non. Putain, il m'a pompé. Putain, non. Bonjour monsieur. C'est vous qui m'attaquez? C'est qui m'attaque? Ok, c'est tout le monde en même temps. Les bonnes ambiances. Non mais sérieusement? Attendez, on va faire quelque chose. Non. Putain, il y a des murs invisibles. Est-ce qu'il y a qu'un seul qui peut m'attaquer à la fois s'il vous plaît? Ouais, genre toi. Oula. Non, il m'attaque. En tout cas, celui qui voulait être César, il finit pompé. Putain, les Black Tom. Moi, je crois que j'ai officiellement perdu, on est d'accord. Et ben, c'était pas fameux ça. Pour une fin, j'en ai juste tué un. Il y a encore l'autre, enfin, le premier, je l'ai tué, il y avait déjà le deuxième quoi. Partouz, je suis jaloux. Ouais, bah là, je crois que je me suis fait pénétrer trop de fois là. Disons que je me suis fait à la fois pomper, pénétrer à multiples reprises. Donc je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Donc, eh ben, comme prévu, il est 19h passé en plus. Je vais arrêter là. Parce que du coup, j'ai dit 16h-19h. Donc j'espère que vous êtes bien amusés pendant ce live, à pouvoir mourir, à pouvoir galérer et à me voir tuer des chiens. À me voir tuer des rodidous, n'est-ce pas? Et du coup, bah, je vous dis à la prochaine qui sera sûrement mercredi soir. Donc normalement les prochains lives c'est prévu mercredi soir à partir de 21h. Donc eh ben essayez d'être présent. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Sur ce, je vous fais des bisous. Tout partout. Oh Captain Jethro! Et lui il arrive pile à la fin ce con quoi. Bah bien Jethro, t'arrives pile à la fin, bravo. J'applaudis bien fort. Bon allez. Sur ce, après tant de pompage, j'étais pas prêt. Après tant de pompage, je vous dis à la prochaine qui sera mercredi. Saluti! Et un peu de spasme ou pas? Ah, il y a un petit peu de spasme, attendez. Avant la fin, un petit peu de spasme. Allez, vas-y. Ah, le petit spasme, allez.